Voilà, je vous propose de commencer. Tu vas bien ? Je ne vous force pas la main, mais Loïs a rapporté sa médaille. Je sais, j'allais le dire. J'allais le dire dans les communications. Alors, je vous propose de commencer. Sont excusés ce soir Jean-Michel Van de Cotter et Benoît Mas. Est-ce que vous avez d'autres excuses ? Pardon ? Oui, il y a ben, Laurent également, mais donc ceux qui nous rejoignent en cours de travaux, je ne... Benjamin ? Oui, Flavien Niembe également est excusé. Ok. Flavien Niembe. Comment je vais prendre ? Ok. Alors, en communication, dépôt du procès-verbal de la séance publique du 28 mars 2022, qui sans observation sera considéré comme adopté en fin de séance publique. Alors, je dois dire au nom du Conseil communal un grand bravo à Loïs pour cette superbe médaille d'or qu'on vient de me donner. Remportée au tournoi de l'European Cup de judo en Croatie. Alors, apparemment, d'habitude, on ne peut pas, mais ici, je suppose que je peux donner le poids dans la catégorie pour une dame des moins de 48 kilos. Je te la rends après. Merci beaucoup. Alors, le Conseil communal prend connaissance de documents suivants mis en annexe. Il n'y en a pas, apparemment. Nous avons une question d'Armand relative aux travaux du PIC 2019-2021. Pardon, de Mme Margam relative aux travaux de la rue Saint-Martin et de Léa relative à la surchauffe du club de ping-pong de Vaud. De 2 à 5, nous avons la suppression d'emplacement PMR. Est-ce que ça demande une explication quelconque ou unanimité ? Pas de problème. Merci. 6 et 7, c'est la création d'emplacement PMR. Pas de problème. Je vous remercie. Au point 8, c'est le règlement complémentaire à Templeuve, quartier formé par la place de Templeuve et les rues de Tournai-Néchin-Roubaix et Fort-Manoir. Modification de la circulation et du stationnement. Pas de problème, Madame Martin. Ah oui, pardon, il faut appuyer. Vous appuyez, vous appuyez. Si vous pouviez, je ne sais pas, rapprocher le micro ou articuler plus parce que vous êtes difficile à comprendre. Ok, je vais articuler. Vous avez raison. Et donc, je vais répéter. De 2 à 5, c'était des suppressions d'emplacements personnes handicapées. De 6 à 7, la création d'emplacements personnes handicapées. Le point 8, c'est un règlement complémentaire communal concernant Templeuve avec un quartier formé par la place de Templeuve, les rues de Tournai, Néchin, Roubaix et Fort-Manoir et la bonification de circulation et de stationnement. Pas de problème. Je vous remercie. Au point 9, à Mourcourt, rue de Vieux-Comté, modification du stationnement. Pas de problème, unanimité, je vous remercie. Au point 10, c'est à Quin, à la rue du Mont-Saint-Aubert, c'est une modification également du stationnement. Pas de problème, je vous remercie. Au point 11, c'est à Froyenne, à la rue des Déportés de Froyenne, avec l'organisation du stationnement. Pas de problème, j'articule mieux, Madame Martin. Vous me comprenez ? C'est bien, je vous remercie. Maman me disait toujours la même chose, tu manges tes mots. Tournai, rue Sainte-Catherine, abrogation de l'interdiction de stationner. Pas de problème. Je vous remercie, unanimité. Au point 10, chemin longeant la façade de la prison, c'est une interdiction de stationner. Pas de problème, je vous remercie. Au point 14, c'est au Mont-Saint-Aubert avec une délimitation d'une agglomération. Pas de problème, unanimité, je vous remercie. Au point 16, à Marquin, la voirie régionale, la N7, c'est une délimitation d'une agglomération. Pas de problème. Je vous remercie. Le point 16, je vous demandais de le reporter au conseil communal suivant. Le point 17 à Mourcourt, c'est la limitation de la vitesse. Pas de problème. Unanimité, je vous remercie. Au point 18, c'est la charte d'utilisation des ressources informatiques avec l'approbation. Pas de problème. Si, Madame Martin. Oui, nous, on est un peu surpris de trouver au paragraphe 6, qui concerne les comptes privés du personnel communal sur les réseaux sociaux, dans une charte qui définit des usages professionnels. Alors, ce n'est pas très clair et ça nous inquiète, les textes pouvant prêter à interprétation. Par exemple, quelle est la possibilité pour un agent de la commune d'exprimer sur son compte privé un avis politique personnel sur des activités de la commune ?
avec bien sûr toute la correction nécessaire dans les propos, comme pour tout un chacun, et comme c'est le droit de tous les citoyens. Où est-ce stipulé ? Il ne serait pas acceptable que des agents communaux disposent de moins de droits que les autres citoyens. Un agent communal est ici autorisé à faire la promotion d'initiatives de la ville sur son compte privé. Et appelons un chat, c'est faire la promo de la majorité et de son bourgmestre. Mais pourrait-il lui être reproché, par exemple, d'avoir exprimé avec correction un avis qui ne correspond pas à celui de cette même majorité ? Ça me semble ambigu. Nous vous demandons soit de rendre ce texte plus clair sur les droits d'expression des agents communaux sur leur compte privé, soit de supprimer ce paragraphe. Donc, si vous regardez bien, Madame Martin, donc toujours au point 6, ce qui est indiqué, c'est l'utilisation au sens large des réseaux sociaux doit être effectuée avec prudence et discernement dans la mesure où les propos tenus sur les réseaux sociaux sont potentiellement publics dès lors qu'ils sont accessibles à une multitude de personnes qui peuvent les partager à leur tour avec d'autres personnes, discrétion, transparence et éthique. Je vois pas très bien où est le problème en fait. Rappuyez, je vous ai... Attendez, je ne le retrouve pas dans le texte. Voilà, il est par exemple, alors je trouve qu'il y a une ambiguïté. Quand on dit, c'est pourquoi il est proposé aux agents, s'ils le souhaitent, de partager de manière positive, on précise bien, de manière positive, sur leur compte, via leur compte privé, toutes les initiatives organisées ou soutenues par l'administration communale. Ces partages augmentent la visibilité de ces initiatives et mettent en valeur le travail des agents. Madame Martin, vous voyez ça où, ce que vous êtes en train de nous dire ? Pas dans le texte que vous avez envoyé. C'est dans le paragraphe 6 qui se rapporte aux réseaux sociaux. Dans les considérants. Je vous en prie. Oui, et donc, c'est ce que je notais. Hein. Moi, je vous demande simplement, est-ce que vous êtes d'accord de rendre ce texte plus clair ? Par exemple, un agent communal qui voudrait exprimer une opinion différente de celle de la majorité, est-ce que ça pourrait lui être reproché ? Parce que c'est pas très clair et qu'on sait très bien que nous, on a déjà entendu souvent des agents communaux qui disent qu'ils se sentent fliqués sur les réseaux sociaux et qu'ils ne se sentent pas libres de s'exprimer. Alors, il est évident que tout le monde, mais ça c'est pour tout le monde, c'est pas particulier pour les agents de la ville, on est prié de s'exprimer avec correction, etc. Il y a les mêmes restrictions, les mêmes obligations, je dirais, pour tout le monde. Et donc, je trouve que d'un côté, dire qu'ils peuvent partager les initiatives de la ville et d'un autre, c'est pas très clair sur ce qu'ils peuvent dire ou pas, je trouve que c'est fort ambigu. Donc, évidemment, tout agent communal est un citoyen, donc il peut s'exprimer comme tout citoyen. Donc jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord. Donc, s'abstenir de tout ce qui pourrait ébranler la confiance du public dans l'exercice de ses fonctions, qui pourrait porter préjudice au fonctionnement ou à l'image du service ou de l'administration communale dans son ensemble, qui est diffamatoire et insultante et irrespectueuse envers sa supérieure hiérarchique ou les collègues de travail ou qui contribue à créer un climat de travail hostile. C'est un peu ça mis à côté du fait qu'on dit ok, s'il veut, il a le droit de partager. Pour moi, il y a quelque chose. Il y a comme tout employeur. Pardon. Ni plus ni moins. Je vous ai pas compris. Là. Non, c'est bon. Non, mais elle a pas entendu ta réplique. J'ai simplement dit comme tout employeur, ni plus ni moins. Alors, vous n'avez pas répondu à mes questions. Donc, si un agent communal, par exemple, je ne sais pas, prenons un exemple théorique, il trouve que la grande roue n'est pas bien placée pour des raisons techniques que lui connaît bien et exprime ça sur son compte personnel, qu'est-ce que ça donne ?
Oui. Est-ce qu'il va subir des pressions? Est-ce qu'on va avoir des manœuvres d'intimidation? Ben, on sait bien qu'il y a une surveillance et qu'il y a au sein des agents communaux une espèce de crainte permanente au niveau de l'expression qu'ils peuvent avoir. Écoutez, ne donnez quand même pas ici l'image. Ce n'est pas la Stasi ici, hein, je ne sais pas, mais... Enfin, je ne sais pas, quel agent communal a un jour subi des pressions, quelles qu'elles soient, parce qu'il aurait éventuellement mis des choses sur Facebook. Ben, ils se font suivre, par exemple, dans les publications qu'ils suivent, ou des choses comme ça. Pardon ? On a aussi l'exemple des caricatures dernièrement, il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Quoi. Oui, mais attendez, ne mélangez pas tout. Les caricatures où on me traitait, parce que c'était moi qui étais dessus, de raciste, etc., et en me comparant à Himmler, ça tombe sur une autre législation que la simple législation de la ville de Tournai. Hein. Et donc, bien évidemment, ce genre de choses, que ce soit moi ou que ce soit vous, je peux vous garantir que si un agent vous comparait à un dictateur quelconque, je serais le premier à lui rentrer dedans, même si c'est vous. Et surtout parce que c'est vous, parce que je n'admettrai pas ce genre de choses. Effectivement, c'est plus difficile à parler quand c'est pour soi-même. Mais donc, dans ce cas-là, je pense que votre exemple n'est pas bien choisi. Donc, vous ne verriez pas d'objection à rajouter dans ce texte que tout agent communal est libre, évidemment, de s'exprimer comme il l'entend. Mais bien évidemment qu'il est libre d'exprimer, ne manquerait plus que ça. Évidemment, dans le respect des lois, évidemment. Bien évidemment qu'il est libre de s'exprimer, Il n'y a pas de problème de le rajouter là-dedans. Non, mais je ne vois même pas... Je vois même pas pourquoi il faudrait le rajouter, parce que je vois pas où est le problème, en fait. Mais je vois pas où est le problème, alors, d'interdire et de rappeler tout ça, puisque c'est la même obligation pour tout le monde. Bon, si vous voulez qu'on ajoute une phrase, il est libre de s'exprimer, je n'ai aucun problème là-dessus, mais encore une fois, je ne... Mais dans certaines limites. Oui, mais ça, j'ai pas de problème. Mais j'aimerais bien qu'on précise que n'importe quand même qu'il est libre d'exprimer des opinions personnelles. Patron pourrait ou ne pourrait pas accepter. Effectivement, je pense que si un agent communal commence à s'attaquer nommément sur une personne, sur un de ses collègues, par exemple, parce que ça aussi, c'est le genre de choses qui arrivent, je pense que ce n'est pas sur les réseaux sociaux que ça se traite. Il y a d'autres endroits pour les traiter. Et donc, vous n'avez pas d'objection à rajouter, pour que ça soit clair pour tout le monde, que des agents communaux sont libres de s'exprimer sur leur compte privé. À propos de la politique de la commune, par exemple. Que ce soit sur la politique de la commune ou autre chose, il est libre de s'exprimer. Moi, je n'ai aucun droit pour empêcher qui que ce soit de s'exprimer. La seule chose, c'est qu'il doit s'exprimer dans des règles. Non, mais c'est parce que je vois que vous éprouvez le besoin de mettre qu'ils sont autorisés de partager les initiatives de la ville. Donc, c'est dans ce cadre-là, pour équilibrer. Mais on ne va pas passer le conseil communal là-dessus. Bon, moi, je vous propose, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est là, c'est de voter contre. Hein. C'est plus simple. Je vous ai pas entendu là. Je dis, je préfère à ce moment-là que vous votez contre le point plutôt qu'en. Je ne vais pas voter contre parce que pour le reste, bon, ça nous semble une nécessité. Ouais, je sais pas. On va s'abstenir là-dessus. Qui vote pour? Et on peut bien évidemment prendre votre remarque. Hein. Donc, qui vote pour? Qui s'abstient? Ok. Avec la remarque que vous avez formulée. Je vous remercie. 19. Rétablissement des permanences hebdomadaires au CHOAPI pour les déclarations de naissance. Approbation. Pas de problème. Je vous remercie. Unanimité. Au point 20. Projet de réaménagement de la plaine des manœuvres, jury de sélection et d'attribution, règlement d'ordre intérieur et indemnisation. Avant de vous passer la parole, je dois donner la parole d'abord à Philippe, parce qu'apparemment, il y a une précision à apporter en termes de date. Oui, monsieur le bourgmestre. Donc, dans le document, on dit que la date de la réunion se fera durant la semaine du 9 au 13 mai, mais en réalité, elle se fera, on a eu l'invitation aujourd'hui, entre le 6 et le 10 juin. C'est simplement cette petite modification qu'il faut apporter. Benjamin, madame Mariam, si vous voulez la parole, vous devez appuyer. Mais c'est Benjamin d'abord la parole. Je vous passe la parole après. Celui de droite. Toujours à droite. Après. C'est d'abord. Mais d'abord Benjamin. Je t'en prie. Au Nord-Dame, hein, pas de souci. Hein. Vas-y. D'abord, avant de prendre la parole, vraiment
Une remarque technique, c'est quand même pas très sympa ces deux appareils-là. Je ne peux plus vous admirer comme avant, c'est embêtant. Vous me manquez également. Il pourrait quand même y avoir moyen d'abaisser un petit peu ce système. Hein. Voilà, on verra pour la prochaine fois. Oui, non, mais c'est vrai, priorité quand même au conseil communal. Si c'est possible. Parce que là, j'ai du mal à voir à qui je m'adresse. Si ce n'est que pour le point 20, mon intervention a pour objet les montants qui seront versés dans le cadre de ce jury. Je lis quand même que chaque participant aura un forfait de 8000 euros, qu'il y a un défraiement de 3515 euros pour les membres du jury. Le principe ne me choque évidemment pas, mais ça fait quand même beaucoup d'argent pour un projet qui s'ajoute à un projet de réaménagement dont j'avais pointé le coût qui me paraissait déjà fort élevé lorsque nous avions discuté du budget. Ma question, elle concerne le financement de ce jury et donc de ces 8 000 euros à multiplier par le nombre de participants. Est-ce que cela a fait l'objet d'un financement à part, d'un subventionnement distinct, ou est-ce que la ville va devoir financer ce jury en plus de tout ce que va coûter cette plaine des manœuvres, dont je salue le prochain aménagement ? Dans son principe. Madame Marguin. Appuyez. Oui. Attendez, ne touchez plus à rien. Ne touchez plus à rien. Hop. Laissez-moi faire. Faites. Ah, voilà, parfait. Quand vous m'écoutez, tout va bien. Comment ? Quand vous m'écoutez, tout va bien. Oui, ça dépend. On verra à la prochaine intervention. Alors, en ce qui concerne le dossier du réaménagement de la plaine des manœuvres, nous avions déjà posé certaines questions et vous vous rendez compte que nous le suivons pas à pas de manière extrêmement attentive, comme je l'avais dit lors de nos précédentes interventions. Le dossier détaille bien son historique. On voit que la passation du marché se fera en deux temps, pour la sélection des candidats et pour ensuite l'attribution de ce marché sur base des offres reçues. Heureusement qu'il y a un peu plus de temps, puisque le marché a été lancé le 1er mars 2022 et qu'il faut laisser évidemment aux candidats un temps suffisant pour présenter leurs esquisses. Mais j'aurais des questions à poser à M. Légevin-Robert sur la constitution du jury. Donc, tout d'abord, on voit que pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la passation du marché de services d'architecture, on recourt à M. Thomas Moore comme coordinateur. Il fait partie, en effet, du service de la Fédération Wallonie-Bruxelles et travaille avec Mme Dassonville assez régulièrement. Donc, il s'agit d'un historien. C'est un historien qui assumera la coordination. Et puis, on voit apparaître comme expert extérieur, il y en a deux dans la composition du jury, un paysagiste et un architecte avec des compétences pour le paysagiste d'environnement et avec des compétences pour l'architecte d'espace public. Mais chaque fois, il est requis ou demandé, et c'est ma question, pourquoi de préférence ou, si possible, un enseignant ou une enseignante. Ne pensez-vous pas qu'il est préférable d'avoir quelqu'un qui a un pied dans la vie professionnelle active et qui est donc plus sensibilisé au concret d'un dossier ? En ce qui concerne l'aspect subvention, le point 7, on voit que le directeur, donc qui travaille également dans cette division donc, du patrimoine de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est urbaniste et qui a des compétences d'environnement, sera présent sous réserve. Pourquoi ? On voit ensuite que M. Jonas Hansen, qui fait partie donc, du même groupe directeur de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec Mme Dassonville, est architecte urbaniste, alors qu'on a déjà cette compétence dans le chef de Mme Alix Imbeau. Et donc, ma question, c'est de vous demander comment on compose les équilibres d'un jury et comment on se retrouve à
tenter de trouver des experts extérieurs, qui ne seront malheureusement que deux, puisque tous les autres font partie des institutions, et qui devraient de préférence être des enseignants. On se prive, me semble-t-il, de l'apport d'un professionnel bien ancré dans la vie active et dont l'expérience serait très certainement intéressante pour un projet de cette envergure, qui est non seulement un projet environnemental, mais qui est aussi un projet urbanistique. Merci. Philippe. Attendez, Madame Martin, vous souhaitez intervenir ? Effectivement, en dehors du fait que ces experts, on doit approuver ici une composition de jury à travers ce règlement d'ordre intérieur, et ces experts, ils sont mentionnés par des croix, quoi. Donc, bon, je ne ferai pas un fromage là-dessus parce que de toute façon, je ne les connais pas, donc passons. Par contre, il y a une chose qui me préoccupe beaucoup plus, c'est que je voudrais savoir quels sont les représentants des futurs utilisateurs que Coralie Ladavid nous annonçait en février comme faisant partie du jury. J'aimerais bien savoir qui ils sont dans la composition que je vois là. Parce okay. qu'a priori, ils me semblent absents. Ah, attendez, j'ai fait une bêtise. Philippe et ensuite Coralie. Donc, tout d'abord, pour la question donc, de Benjamin, je fais remarquer que seules donc les personnes, donc on va dire comme ça, donc puisque on est deux membres du jury du collège, nous deux bien sûr, on ne touche pas d'indemnité, ce qui est tout à fait logique, c'est dans l'exercice de nos fonctions et donc c'est normal. Par contre, tous ceux qui viennent et qui doivent avoir des déplacements et qui sont des experts, c'est un peu normal aussi. D'ailleurs, dans tous les jurys, c'est normal que on les paie. Et en effet, ce sera sur le budget communal, bien sûr. Alors, quand j'entends que le projet, je me souviens, ça devait être 2,8 millions ou quelque chose comme ça, pour faire donc réaliser la plaine des manœuvres et qu'on va chercher d'ailleurs des subventions par le biais de la PIV, donc c'était une façon aussi de pouvoir alléger le budget communal, parce qu'au départ, quand on a pensé refaire la plaine des manœuvres, on n'a pas nécessairement, la PIV n'existait pas encore. Et donc, en effet, on en a plus l'occasion de le mettre dedans, dans les projets, et que ça a été accepté par le gouvernement wallon. Alors, au départ, il faut savoir qu'on ne réalise qu'un périmètre bien défini de la plaine des manœuvres. Si on écoute les devis, hein, au mètre carré, on serait bien plus haut que 2,8 millions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va travailler par étapes et que c'est la plaine des manœuvres. Je ne dis pas que lorsqu'on aura dépensé les 2,8 millions, que tout sera terminé, mais en tout cas, on va essayer de rester le plus possible dans l'enveloppe. Et puis, il y a des parties qui ne demanderont pas beaucoup d'argent, comme par exemple les parties où on va laisser la nature, parce qu'il faut avoir une certaine biodiversité. On a d'ailleurs eu l'occasion ici d'avoir deux matinées de visite. Vous l'avez vu certainement dans les invitations à la presse. Donc, on essaye on ne veut pas non plus cadenasser les architectes, parce que normalement, c'est leur métier de créer quelque chose. Et donc, on doit, après avoir fait des consultations par donc, toute la population qui a pu donc, participer aux activités citoyennes, ils ont émis des souhaits. Mais, bien sûr, on a au niveau du collège, on a renvoyé la restitution auprès de CityTool. D'ailleurs, CityTool fait partie des jurys aussi, pour qu'ils puissent voir si ce que, et ça je réponds en partie à Madame Martin, parce que les membres du jury, on ne met pas de personnes qui vont, des utilisateurs de la plaine. Ce serait impossible avec le nombre d'utilisateurs potentiels pour cette plaine de manœuvres. Mais par contre, CityTool, qui est le professionnel de toutes les activités citoyennes qui ont été organisées en collaboration avec Coralie, les juines de la participation citoyenne,
eh bien, on a une restitution qui a été faite auprès de ces sociétés, cette société, mais elle a travaillé avec, donc dans le cadre de la participation citoyenne. Donc, elle va pouvoir, en effet, lors des jurys, voir si on rentre dans les clous. Alors, je n'ai pas dit non plus qu'on va tout faire. Quand on fait des réunions citoyennes, on est pratiquement, et je vais utiliser un mot anglais, ce qui est rare de ma part, un brainstorming, où on vient avec toutes sortes de possibilités, de rêves, d'idées, mais à un moment donné, il y a les chiffres qui sont là, et d'autre part, il y a aussi donc, la créativité que les architectes vont avoir. Donc, avoir une représentation citoyenne dans le jury, elle est faite par le biais de CityTool. Ainsi, j'ai répondu à Madame Martin. Par contre, donc, pour Madame Marguen, donc, dans le dossier, en effet, il y avait encore des... On savait qu'on allait aller se diriger vers donc, un expert extérieur, donc paysagiste, avec des compétences d'environnement, et si possible, un enseignant. On a trouvé donc notamment, et le mail est tombé il y a peut-être quelques heures, d'une dame qui est enseignante à Lille et qui a aussi son cabinet, donc qui travaille aussi sur le terrain dans ce domaine-là. Et d'autre part, l'architecte avec compétence des espaces publics, on a donc aussi une personne qui a été bien définie maintenant, je ne sais pas si je peux dire des noms ici en sciences publiques, mais normalement non. Donc, mais ça sera de toute façon, à un moment donné, vous allez avoir la liste des jurys. Hein, donc, il n'y a aucun souci avec ça. On ne veut absolument rien cacher. Mais comme je vous l'avais promis, Madame Marguen, quand vous aviez une petite appréhension par rapport à la cellule donc, architecture donc, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je vous avais dit qu'on allait essayer... d'être de veiller au grain, et c'est comme ça qu'on a souhaité avoir au moins deux membres du collège, c'est-à-dire les deux membres qui sont les chevilles ouvrières de ce dossier, que sont donc Coralie et moi-même. Voilà. J'ai dit. Coralie ? Juste pour les montants, donc le jury, les dédommagements, c'est 3515, c'est parce que j'ai cru entendre tout à l'heure 8000. Mais ça, c'est pour les soumissionnaires. Hein. Voilà, voilà. Mais donc, ça, c'est quelque chose qui est pratiqué très régulièrement. Les soumissionnaires, ça leur prend un boulot dingue de soumissionner. Et donc, c'est normal aussi qu'on puisse donner un dédommagement de tout ce travail qui est réalisé aussi. Sur la question des enseignants, Madame Marguem... Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que et c'est comme ça que ça avait été discuté, mais que ça permet aussi d'avoir une certaine neutralité aussi quand ce sont des enseignants qui sont membres du jury plutôt que des personnes, enfin des personnes qui sont encore dans la vie active et qui pourraient peut-être, qui auraient pu soumissionner ou bien qui connaissent le, enfin peut-être plus le monde qui soumissionne, ben voilà. Moi, je crois que les enseignants, ça permet d'avoir une certaine neutralité et d'avoir aussi une certaine expertise plus théorique sur la question. Alors, vous parlez aussi de certains membres du jury en disant « je ne vois pas pourquoi ils y sont, notamment M. Jonas pour la cellule architecture ». C'est ça que vous avez dit ? J'ai bien entendu, parce que là, ils ne sont pas dans le jury, ils sont dans la commission technique. Et donc, c'est pour pouvoir préparer les dossiers. Le représentant participation, ben oui, Philippe l'a dit, c'est CityTools. Donc, c'est eux qui ont eu à la fois, qui ont mené tout le processus participatif, qui ont eu des entretiens bilatéraux avec toute une série d'acteurs du terrain, du voisinage, des associations, des représentants d'institutions, des habitants, et en plus du processus participatif qui était ouvert à tous. Donc voilà, ils ont vraiment pu s'imprégner des demandes et des besoins des citoyens.
Et alors, quand on dit sous réserve pour le directeur, politique de la ville, région wallonne, en fait, le sous réserve, c'est sous réserve d'acceptation de la personne et qu'il soit disponible. Mais de toute façon, il y aura un représentant politique de la ville. C'est parce que là, on met pas simplement, on nomme déjà la personne et donc on a mis sous réserve. Voilà. Benjamin. Oui, merci de me rendre la parole. Je suis pas sûr d'avoir été bien compris. Je ne remettais pas en question le principe de ce qu'on défrayait des personnes qui participaient à un jury comme pour soumettre un projet, comme l'a bien rappelé Coralie, 8000 euros pour ces gens-là, c'est un travail effectivement conséquent. Ce qui m'alarmait, c'était qu'on était déjà face à un projet qui allait être quand même coûteux, même s'il est louable, et je m'interrogeais sur son mode de financement. Si cet défraiement du jury et des membres des candidats et des membres du jury était financé dans l'enveloppe de 2,8 millions qu'évoquait M. Léchevin-Robert, ou si on était sur quelque chose qui était à charge de la ville entièrement. J'ai pas vraiment eu de réponse à cette question. Ouais, Philippe a quand même répondu en disant qu'on allait chercher des subsides, mais qu'effectivement il y avait une partie qui était prise en charge par la ville de Tournai. Hein, donc ça s'y retrouve bien évidemment. Ok, bon ben. Ça va. Madame Martin. Oui. Comment? Quand vous avez parlé en février de deux représentants des usagers futurs, c'était pas vraiment à City Tool ce qu'on s'attendait, quoi. Mais effectivement à des citoyens, ne fût-ce qu'ils avaient participé à l'enquête. Alors, dans ce règlement d'ordre intérieur, parce que c'est là-dessus qu'on doit se prononcer simplement maintenant, nous lisons bien que le jury dispose d'un pouvoir d'avis et proposera à l'adjudicateur de désigner le lauréat. On note aussi que les membres du jury sont tenus à un devoir de réserve jusqu'à nouvel ordre de l'adjudicateur. Donc, comme je l'avais fait remarquer précédemment quand Coralie m'accusait de dire des choses fausses avec un aplomb dingue, c'est bien vous qui, in fine, choisirez le lauréat, et si votre choix ne correspond pas à l'avis du jury, celui-ci sera muselé par son devoir de réserve. Je note aussi, et je m'étonne un peu de tout un concours comme ça, où finalement, qu'est-ce qu'il y a de neuf quoi, là-dedans? C'est quand même vous qui prenez toutes les décisions. Alors je précise que même si on peut apprécier une amorce de participation citoyenne, et c'est comme ça qu'on considère ça ici, elle est encore bien loin d'être aboutie, et pour nous ça doit aller beaucoup plus loin, et la population doit pouvoir s'exprimer sur le choix final de l'esquisse sélectionnée, parce que pour une réalisation d'envergure qui impactera son quotidien et son futur, et réaliseront qu'elle payera cher et vilain, puisque les travaux sont budgétés à 2 800 000. On a vu que c'était sans... Moi, j'ai vu dans le budget que c'était quand même sans subsides et que c'était sur en base d'emprunt et sur fonds propres, et qu'on connaît la difficulté de maintenir un budget dans des travaux importants et qu'on voit l'impact de l'inflation galopante. Quoi. Allez, Coralie va tenter de vous convaincre une dernière fois. Je ne vous ai pas compris, monsieur Brumès. Pardon? Ah, vous avez demandé... Oui, mais non, si vous n'appuyez pas, je ne sais pas le voir, hein. Je vous en prie. Merci. Bon, donc, je vous remercie pour vos réponses qui ont été intéressantes, mais jusqu'à un certain point. Alors, nous devrions être rassurés du fait de votre présence dans le jury. Au fond, c'est ça. Vous nous dites, vous savez, il n'y a aucun problème, étant donné qu'on est là, qu'on aime le projet, qu'on fait partie de l'exécutif communal, tout ira bien, on ne se laissera pas manipuler, on va savoir prendre les décisions qui conviennent et le projet final sera l'expression de ce qu'on aura voulu de A jusqu'à Z. Je me permets d'en douter, j'ai quand même un minimum d'expérience et je me rappelle de certains dossiers où finalement les choses n'étaient pas si simples. Alors, je ne mets pas en doute votre bonne foi, je ne mets pas en doute votre passion pour le projet,
Mais je crois que dans un jury, il y a toujours, évidemment, une possibilité, et même plusieurs, que certains essaient de téléguider les résultats. Alors justement, Madame Ladavid, vous abordez cet aspect des choses en disant, voilà, c'est pour ça qu'on préfère choisir un enseignant qui est neutre, qui n'est pas dans la vie professionnelle, qui n'aura pas dès lors tendance à orienter les choses vers sa pratique professionnelle ou au contraire avoir des réactions de frustration parce qu'il ne peut pas évidemment participer à ce marché, ce qui est bien normal, ou qu'il doit, ou qu'on ne peut pas découvrir chez lui, qu'on ne devrait pas pouvoir découvrir chez lui des liens avec des professionnels qui soumissionnent. Hein, ce sont des choses qui arrivent. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est enseignant que ces liens n'existent pas. Simplement, ce que je dis, et là, évidemment, est tout l'intérêt de votre intervention en tant qu'échevin, de votre perspicacité, c'est d'avoir des gens qui ont les deux pieds dans la pratique. L'enseignement, que vous le vouliez ou non, reste quand même une formation théorique. Et donc, vous aurez un regard théorique sur les choses et vous n'aurez peut-être pas tous les éléments qui vous permettront d'en avoir une vue professionnelle et pratique up-to-date. Donc, voilà nos remarques. Nous attendrons de voir l'évolution de tout cela, puisqu'au mois de juin, vous devez vous réunir pour faire ce travail. Et nous vous entendrons, évidemment, sur vos commentaires quand le bébé sera né. Je parle du projet, évidemment. J'ai bien compris. Attends, non, Philippe. On n'a jamais dit jamais. À mêler de la vie privée de M. Robert. Vas-y, tu tends le bâton. Je disais donc que Coralie allait tenter de convaincre et Mme Martin et Mme Margam, et si ça ne suffit pas, Philippe va s'y mettre. Je voudrais juste préciser, comme Mme Margam dit, que j'avais annoncé deux habitants. C'était deux habitants dans le comité d'accompagnement. Et donc, ce n'était pas dans le jury, c'était... Pardon. Oui, Madame Martin, pardon. Mais c'était pour brouiller un peu les cartes, voilà, c'est réussi. Non, mais voilà, donc Madame Martin, ce sont... Attendez, non, mais laissez la réponse. Donc, je vous dis, c'est deux habitants dans le comité d'accompagnement et pas dans le jury. Voilà, donc ça qui était annoncé. Alors, sur le... Je vais finir peut-être, Madame Martin. Et donc, Madame Martin, je ne vous ai pas donné la parole, donc on ne vous entend pas. Hein, donc, Et donc, sur le fait que vous dites constamment que ce n'est pas un projet participatif et finalement, qu'est-ce qui change par rapport à avant, je voudrais juste rappeler, comme je le fais à chaque fois, qu'on est en démocratie représentative, on n'est pas encore en démocratie directe, que ce qui change, c'est que plutôt que de demander l'avis a posteriori, on demande l'avis a priori, et finalement, la participation citoyenne, elle s'est faite dès le départ, avant même que le programme ne soit défini. Et donc, c'est la participation citoyenne qui a défini le programme et qui a défini le cahier des charges. Et donc, le projet va s'appuyer sur toute la participation citoyenne, justement, et les besoins qui ont été identifiés par les habitants, qui ont été exprimés par les habitants. Et donc, ici, on est à un stade où on part de la participation pour pouvoir faire un premier choix. Une esquisse va être faite. Ensuite, la participation citoyenne continuera pour peaufiner l'esquisse. Et donc, ce sont des temps, mais à chaque fois, je répète la même chose. Hein, donc, je crois qu'après, je vais arrêter de le dire parce que, de toute façon, je n'arriverai pas à vous convaincre. Et donc, ce sont des temps différents. Ici, on est dans le choix de l'esquisse où c'est défini par des experts et par le collège qui est représentatif de la population. Philippe. Et donc, j'entends bien donc, les craintes de Mme Margam et... Je peux les comprendre, mais en tout cas, et c'est bien peut-être qu'elle ait insisté de cette façon, ainsi on sera encore beaucoup plus vigilant. Et de toute manière, il y a déjà quand même une chose qui est intéressante et importante, c'est que ben, il y a un cahier des charges, avec notamment, on sait qu'on doit aller vers ce que les citoyens ont demandé par rapport aux deux participations citoyennes. Mais oui, c'est un minimum, mais donc ça veut dire que si dans les différents dossiers, il y en a qui sont hors périmètre ou qui sont
Or, de ce qui a été de restitué, il faudra que ce soit vraiment bien motivé et agréable pour qu'on puisse l'accepter. On va bien sûr être très attentif. Mais je suis content que vous insistiez davantage pour vraiment qu'on puisse nous prendre conscience qu'on devra être très vigilant. Et je vous assure qu'on fera son maximum pour l'être, et j'espère simplement que quand on sera au moment de terminer les choix, parce que le deuxième choix, donc la deuxième réunion devra avoir lieu dans le courant du mois de novembre, donc la deuxième étape, après ça, je suppose qu'on va pouvoir présenter donc, le projet lauréat. Allez, pour conclure, Madame Martin. Oui, alors je voudrais dire à Coralie que oui, la madame, elle a compris. C'est pas la peine de répéter 50 fois exactement la même chose. Elle a compris, la madame, mais elle n'est pas d'accord. Voilà, elle a une différence de vue pour nous, et c'est ce que je dis depuis le début, pour le PTB. On salue une amorce de participation, mais pour le PTB, la participation citoyenne, ça doit aller beaucoup plus loin que ça. Et ce que nous voyons là, ben oui, c'est gentil, ça porte le nom de participation citoyenne, mais ça n'en est pas vraiment. Hier soir, en France, j'ai entendu également toute une série de partis qui voulaient aller plus loin dans ce genre de choses, mais il faut quand même être prudent. Alors, nous allons passer au vote. Le MR vote pour le ensemble. Je sais plus ce que je veux dire. Madame Martin, quel est votre vote ? Abstention. OK. Et la majorité suit. Je vous remercie. Au point 21, commission locale de développement rural avec son rapport d'activité 2021. Approbation, pas de problème. Je vous remercie. Au point 22, Madame Martin. Oui, alors dans ce rapport d'activité pour la commission locale de développement rural, on a noté avec satisfaction dans les projets des créations ou aménagements de maisons de village auxquels nous sommes tout à fait favorables. Et nous pouvons aussi comprendre que des petits projets peuvent se mettre en place plus facilement. Mais dans les projets de développement rural qui ne sont pas encore engagés, nous relevons une priorité zéro pour le projet 78 qui est l'augmentation de l'offre de transport en commun dans les villages. Pour nous, ça devrait être la priorité des priorités pour une mobilité rurale tenant compte de l'urgence climatique, de la problématique du stationnement, des nuisances de la circulation automobile et de l'augmentation vertigineuse des prix du carburant. Contrairement à la marche ou au vélo, qui sont certainement intéressants, ni pas ça, mais des transports en commun en suffisance sont praticables par quasi toute la population et une alternative à la voiture crédible et plus sécurisante en toute saison. Alors, pour rappel, nous souhaitons même les transports en commun gratuits. Comptez-vous changer cette priorité en 2022 ? Caroline. Donc, il s'agit ici du rapport de 2021, effectivement, mais qui porte sur le PCDR précédent, c'est-à-dire la programmation 2008-2018. Et donc, depuis cette période, il y a eu quelques évolutions, mais pas évidemment, parce qu'on continue à avancer au niveau de la commune sur la réalisation de certaines demandes, certains besoins qui avaient pu être exprimés dans la première phase, indépendamment des fiches de subventionnement. Alors la priorité zéro, ça ne veut pas dire que ce n'est pas prioritaire. Au contraire, les projets de priorité zéro, ce sont des projets qu'on mène déjà dès les premières phases de l'élaboration du PCDR. Donc ça, c'est pour redéfinir ce qu'est une priorité zéro. C'est les projets, justement, sur lesquels on considère qu'il faut pouvoir travailler dès le début. Ici, actuellement, pour rappel, nous sommes en train d'élaborer le deuxième PCDR, la nouvelle programmation, et donc il y a déjà des projets zéro qui sont identifiés. Les priorités 1, 2, 3, c'est une fois que le programme est approuvé, eh bien là, ce sont les priorités de mise en œuvre des projets et d'introduction des fiches de subventionnement. Donc, on peut avoir des subventions spécifiques au niveau du développement rural. C'est dans cette optique, en fait, que les priorités sont définies. Donc, le développement de l'offre de transport en commun dans les villages est une priorité absolue, si vous voulez. C'est pour ça que c'est une priorité zéro.
Et depuis 2008, bien, j'imagine quand même qu'il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, je ne sais pas si tu veux compléter, Jean-François, mais voilà, ce n'est pas du tout pour dire que ce n'est pas prioritaire. Au contraire, c'est pour dire que ça doit être fait tout le temps. Et dis, excuse-moi, parce que là-dedans, il y a un truc que je ne comprends pas. On travaille maintenant sur des projets de 2008-2018 et on est quand même en 2022, là. Jean-François ? Oui. Jean-François a demandé la parole. Juste pour compléter, vu que Caroline m'a effectivement passé gentiment le relais, et d'aucuns ici pourraient probablement compléter mes propos, la priorité en termes de transport en commun ici, dans une enveloppe budgétaire qui est au niveau régional, hein, qui est limitée, c'est un, l'augmentation de la fréquence, notamment sur toute une série de lignes et de lignes express. Qui sont occupés à être mis en place et s'orienter de plus en plus vers la pratique, enfin, gratuité, ou en tout cas se rapprocher au maximum de la gratuité pour les jeunes, les étudiants. Donc ça, ce sont les deux priorités pour l'instant. Alors effectivement, on rêve tous, évidemment, et moi le premier, j'habite un village où il n'y a pas de bus, de la présence de bus, de lignes de bus en nombre suffisant pour desservir nos villages. Ça viendra peut-être, mais en tout cas, voilà, la priorité aujourd'hui, ce sont les lignes express, c'est la régularité et c'est des politiques avantageuses pour les jeunes et les personnes âgées. Oui, mais sur un certain type de ligne bien défini. Oui. Bon, après, c'est un débat, je ne me fais pas le porte-parole de la région, hein, ça ne dépend pas de nous, hein, ce n'est pas la commune qui gère ça. Pourquoi ne pas mettre le focus vraiment sur un point qui est vraiment super important, quoi, et développer le nombre aussi. Comme Jean-François vient de le dire, c'est quand même le TEC qui, à un moment donné, décide. Hein, donc, on peut avoir toutes les volontés possibles et imaginables, mais c'est quand même pas de notre sort. Hein, donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est jouer avec les TEC plutôt que de dire. Quand bien même je souhaiterais qu'on ait 10 en plus, c'est pas pour mes beaux yeux qu'on en ait 10 en plus. Hein. Quand même une possibilité de créer des navettes. Hein. On peut être un peu créatif, quoi, aussi. Et donc, moi, ce que je voudrais voir, c'est... Créer des navettes, remplacer le TEC. Quel est le délai que vous estimez? Vous êtes en train de me dire je dois remplacer le TEC, en fait. C'est ça que vous me dites? Non, je vous dis... Oui, bon, si vous voulez, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ah non, mais c'est ça que vous me proposez, parce que, en clair, le TEC fait ses lignes avec les études qu'ils font. Ils regardent s'il y a effectivement matière A. Mais si vous me dites qu'il faut faire plus, à l'heure actuelle, la seule chose qu'on peut faire, c'est sensibiliser le TEC. Si vous me dites que le TEC, ce n'est pas suffisant et qu'il faut être créatif, vous êtes en train de me dire que je dois remplacer le TEC. Mais vous pouvez sans doute aussi faire des choses au niveau interne dans Tournai. Hein. Ce n'est pas obligatoire que ce soit le TEC qui fasse. La ville peut prendre des initiatives aussi. Quoi. Ouais, il y en a eu un certain temps et les bus voyageaient à vide. Enfin, oui, bon, c'était Caroline. Un autre temps que celui de maintenant. Ouais, c'était pas un temps où on avait conscience de l'urgence climatique, par exemple. Les temps ont changé. Je pense que la façon d'aborder les choses peut changer aussi. D'ici combien de temps pensez-vous que vous allez parvenir à voir cette augmentation dans les villages? Allez, on va passer au vote. Vous êtes pour, contre, abstention? Oui, d'ici combien de temps vous voyez une évolution dans la fréquence des transports en commun vers les villages? J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas très bien. La responsabilité des transports en commun est du TEC. Vous êtes en train de me demander de vous répondre, est-ce que le TEC va en mettre plus et je dois vous donner des dates et des noms. Vous allez si la décision ne m'appartient pas, je ne vais pas vous dire la semaine prochaine ou le mois prochain ou l'année prochaine ou en 2024 pour faire plaisir à tout le monde. Ok, la décision ne m'appartient pas non plus, je m'abstiens sur ce point. Ok, merci. Et donc les TEC ne sont effectivement pas du ressort communal. Nous l'aurons appris ce soir. Unanimité, abstention, Madame Martin. On est d'accord? Je vous remercie. Point 22, Green Deal, cantine durable 2.0, convention, approbation.
Jean-Louis. Oui, donc je me posais la question de l'approvisionnement. Est-ce qu'il y en aura assez? Est-ce que ce sera local? Et alors, est-ce qu'il y aura un coût supplémentaire? De combien est-il? Et qui va le supporter? C'est qui ça? C'est quoi? Jean-François? Alors, au niveau du Green Deal, tout d'abord, ce point, il est déjà passé à une précédente, lors d'un précédent conseil. Pourquoi repasse-t-il? Parce que tout simplement, la région wallonne a fusionné le processus de labellisation et le Green Deal, qui étaient deux choses à part. Ils ont fusionné ce processus-là, donc c'est pour ça que ce point repasse encore une fois. Donc, comme j'ai eu l'occasion de déjà l'expliquer par le passé, on ne peut pas, dans le cadre d'un cahier des charges, effectivement, par rapport au point et au principe de libre concurrence, faire en sorte que ce soit nos agriculteurs locaux, nos commerçants locaux, qui soient mis en avant dans le cadre d'un marché public. Donc, on ne peut pas le faire en tant que tel. Cela étant, par toute une série d'artifices administratifs, on sait se rapprocher, on sait mettre des choses en place en demandant un pourcentage de pommes de terre bio, etc., etc., en mettant toute une série de critères dans le cahier des charges. On sait orienter pour partie le bénéfice du Green Deal vers nos producteurs locaux. Et c'est ce qui s'est fait lors du précédent marché, où juste avant le marché de 2018, on travaillait avec un producteur local. Aujourd'hui, nous sommes à 19 collaborations avec des producteurs locaux de la région. Je ne dis pas nécessairement de Tournai et de ses villages. Une majorité, évidemment, de Tournai et de ses villages, mais de la région. Mais on est toujours, évidemment, à la frontière entre ce qu'on peut faire, suggérer, et ce qu'on peut légalement mettre dans un cahier des charges. C'est toute la difficulté, évidemment. Quel est le vote du MR? Ok, unanimité. Je vous remercie. Point 23. Convention d'assurance, cotisation de pension de base, avenant, changement de procédure de paiement, approbation. C'est très technique, pas de problème. Je vous remercie. Point 24, jumelage avec la ville de Bethléem venue d'une délégation palestinienne. C'est la convention avec la province du Hainaut, l'approbation, pas de problème. Unanimité, je vous remercie. Triathlon des Chauffours, édition 2022. Convention de partenariat avec le triathlon Grand Tournaisie, approbation, pas de problème. Unanimité, je vous remercie. École Paris, remplacement des menuiseries extérieures, mode et conditions de passation de marché. Pas de problème, unanimité, je vous remercie. Au point 27, c'est la rénovation des chaufferies des écoles communales. Aux apicoliers, à Vaux, à Blandin, mode et conditions de passation de marché, unanimité, pas de problème, merci. Au point 28, aux apicoliers 1, travaux d'amélioration énergétique. Pas de problème, unanimité, je vous remercie. Au district de Gorin, c'est le remplacement de l'installation de chauffage, mode et conditions de passation de marché. Unanimité, je vous remercie. À la bibliothèque communale, ce sont des fournitures, configurations, mise en service et maintenance d'une solution complète de gestion bibliothécaire, mode et conditions de passation de marché. Madame Martin. Ici, on a un peu de mal à comprendre pourquoi ce point-là ne peut pas attendre la prochaine modification budgétaire et quelle est l'urgence. Alors, on comprend bien que ce système peut faciliter le travail du personnel et lui permettre de dégager du temps pour ses autres tâches, mais nous souhaitons surtout que vous nous donniez ici la garantie qu'à terme, ça ne mènera pas à une diminution du personnel de la bibliothèque. C'est un point en budget normal, hein, donc ce n'est pas un point en urgence. Hein, donc je ne comprends pas très bien. Non, je ne dis pas en urgence, mais ce n'est pas un point qui était prévu au budget. Il est noté que ça fera pas. Il est prévu au budget. Il est noté que ça fera. Moi, ce que j'ai vu dans les documents, c'est que ça faisait partie de la prochaine modification. Je suis au point 30 ici. Hein. Je suis au point 30. Hein. Oui. J'ai vu que ça faisait partie de la prochaine. Bon, c'est possible que j'ai mal regardé. Mais l'important, c'est surtout, est-ce que vous pouvez nous donner la garantie que ça ne mènera pas à une diminution du personnel de la bibliothèque? Ça, je peux vous donner la garantie, oui.
Okay. L'objectif n'est pas de licencier du personnel, hein, non, non, c'est de faire en sorte que ça fonctionne mieux. Mais je vous répète que ceci est dans le budget. Hein, donc, Oui, mais c'est... À mon avis, vous confondez peut-être avec le rouge là. Vous confondez peut-être avec le 32. Vous confondez peut-être avec le point 32. Il me semblait que c'était pour les deux, mais bon, sur le point 31, donc, c'était aussi. Unanimité. Oui, c'est bon. Je vous remercie. Tournée UNESCO expérience, mission de mobilisation de moyens d'assistance en maîtrise d'ouvrage, c'est une régularisation. Toc toc toc. Benjamin. Oui, merci. Je suis un peu embarrassé par le caractère fort flou de la mission qui sera confiée à IDETA, notamment le point 2, spectacle et ou mise en lumière artistique du patrimoine dans le quartier UNESCO. Est-ce que c'est un spectacle du style de celui réussi d'ailleurs auquel on a eu droit les derniers étés en projection sur la cathédrale, ou est-ce qu'on parle de toute autre chose? Et je pense et j'espère qu'il s'agirait d'un système pérenne, d'un système fixe, annuel, qui ornerait, qui équiperait une partie de l'espace public, j'imagine, d'un bout de monument de notre ville. Pour moi, c'est important parce que il y a deux manières de dépenser le sou pour remettre en valeur notre patrimoine. Soit on fait dans l'événementiel à courte vue et à one shot. Alors certes, ça permet de faire plaisir à beaucoup de monde sur quelques jours en été, mais on a à la fin de tout ça, il nous reste rien. On n'a pas équipé notre ville. Et je pense à ce que j'ai pu admirer dans d'autres villes patrimoniales, notamment en France, à Beaune, où la ville de Beaune s'est équipée d'un système qui n'est pas du tout impressionnant en termes de complexité et qui lui permet de mettre en valeur par des systèmes artistiques, du mapping d'immeubles, des pans entiers de son patrimoine, et ce, de façon quotidienne, en tout cas pour les beaux jours. Notamment, allez admirer les hospices de Beaune et vous verrez que les murs sont équipés de cette manière-là. Alors, j'espère que c'est ça que cache, entre guillemets, la mission qui serait confiée à IDETA. Et j'aimerais bien avoir quelques précisions là-dessus. Merci. Oui, nous avons également les mêmes questions. Donc, c'est un dossier qui est quand même très important, puisque ça touche à un élément UNESCO et ça met en œuvre des fonds qui le sont tout autant, qui sont tout aussi importants en termes de volume. Et là, évidemment, plus que dans tous les autres dossiers, il convient de réussir. Alors, c'est très flou et on a beaucoup de mal à savoir exactement vers quoi on va. Parce que la première chose, c'est qu'on dit que l'on va demander à IDETA de piloter la fiche FEDER dans le cadre des fonds européens pour créer le contenu historique en réalité augmentée qui concerne le cœur historique de la ville à destination du grand public et fournir des tablettes pour les guides de tournée. Bon, sauf erreur de ma part, j'ai l'impression que les guides ont déjà des tablettes. Ça, c'est une première chose, mais il y a sûrement une explication. La deuxième chose, c'est que qui fixe quel est le comité scientifique qui va fixer le contenu historique qui sera ainsi travaillé et mis en valeur à travers système de réalité augmentée qui peut être très intéressant et qui est d'ailleurs utilisé dans d'autres expositions immersives que l'on peut voir un peu partout. Donc, a priori, nous sommes positifs, mais le vrai problème, c'est de savoir comment, avec quel comité scientifique, le contenu historique va-t-il être fixé. La deuxième chose, c'est la même question que Benjamin, spectacle et ou mise en lumière artistique du patrimoine dans le quartier UNESCO. Est-ce que c'est déjà ce qui a été fait et bien réussi par ailleurs et présenté par un opérateur privé, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui va être mis au point de nouveau dans un contenu qui doit être fixé et dont on ne sait pas comment il va être fixé et qui sera récurrent comme les vidéos ou les films de présentation que nous connaissons et qui avaient par exemple été projetés dans l'Office du tourisme.
Alors, la dernière question concerne les montants. Donc, on voit à deux endroits dans le dossier qu'on parle d'un montant de 93 100 € TVA comprise pour un montant d'investissement de 700 000 TVA comprise et que ce montant doit être, c'est moi qui déduis cela de la présentation du dossier, mais vous me corrigerez si je me trompe, doit être le devis tel qu'estimé par IDETA pour la réalisation de ce qu'on lui demande de faire et qui est précisé plus haut et sur lequel nous avons les interrogations que vous savez, et si ce montant comprend bien la quote-part des investissements non subsidiés, c'est-à-dire 10%, et les honoraires d'IDETA. Donc, est-ce bien le montant qui est issu du devis qui répond à ces prescriptions, à savoir 10% des investissements et honoraires d'IDETA? Je vous remercie pour vos réponses. Merci. Sylvie. Oui. Benjamin, tu as, en posant la question, tu as donné la réponse. En fait, ce qui est prévu, donc, c'est déjà il y a deux années, il y a eu du mapping. On se rend compte que on pourrait peut-être pas faire ça chaque année parce que ça n'aura pas autant de succès. Et donc, pour les années prochaines, c'est bien des jeux de lumière, des éclairages de façade. On ne sait pas encore de quel bâtiment, mais c'est bien ça qui est prévu. Donc, ce ne sera plus du mapping, ce sera quelque chose de pérenne qui pourra être utilisé tout au long de l'année. Alors, j'ai répondu à ta question, ça va? Oui, merci Sylvie. Pour les détails, on appréciera, on jugera sur pièce. Merci. Et pour Madame Marguem, quelle était votre question? Donc le montant de 93 000, donc c'est bien les honoraires plus le pourcentage non subsidié. Donc comme c'est un marché de 700 000 euros, donc voilà, vous avez fait le calcul. Donc ce sera bien un mapping avec jeu de lumière. Je ne sais plus quelle était la troisième question que vous aviez posée. C'est la question la plus importante. Avec les tablettes aussi. Madame Lieta, c'est... Oui. Donc, comment est fixé le contenu historique, au départ de quel comité est rédigé ce contenu? Parce qu'il me semble qu'il est nécessaire de faire intervenir un comité scientifique, ou en tout cas un comité de personnes qui connaissent l'histoire précisément de l'évolution de notre ville, qui est quand même une histoire très longue puisqu'elle est bimillénaire. Et également pour cette mise en lumière, parce que comme on l'a fait, comme on l'a vécu à travers le chantier de la cathédrale, dans le cadre duquel on a étudié avec l'architecte responsable de l'ensemble du chantier la manière dont on allait mettre en lumière l'intérieur de la cathédrale et l'extérieur, il y a évidemment matière, dans la réponse que vous faites à Benjamin, à étudier aussi la façon dont le spectacle et ou la mise en lumière artistique récurrente va être faite. Et ça, c'est le travail précisément des personnes qui sont spécialisées dans ces matières. Et donc ma question, c'est, puisqu'il n'y a pas de personnes spécialisées dans ces matières chez IDETA, comment va-t-on faire, avec qui va-t-on travailler pour réaliser ces contenus? Donc, ce dont on parle, donc, c'est une application qui s'appelle CityStrip et qui permettra donc aux familles et aux enfants de découvrir la ville de façon ludique avec des applications un peu rigolotes qui permettront de faire des petites expériences. Elle est déjà en application. Ben, je vois que Benoît trépigne d'impatience pour vous répondre. Ah, mais je ne suis pas opposé. Allez, si Monsieur le bourgmestre est d'accord à ce que Monsieur Dauchy fasse une part de la réponse. Hein. Mais donc, simplement, IDETA donc, a mandaté tout un groupe de travail dans lequel il y a plusieurs représentants de l'association des guides de la ville de Tournai, qui sont des personnes qui sont, a priori quand même, les personnes qui sont les références par rapport à la mise en valeur donc, des différents éléments patrimoniaux de la ville. C'est leur formation. C'est sur le terrain ce qu'ils exercent. Et donc, il y a un petit groupe de 4 personnes de l'association des guides qui sont associées à la démarche, donc de ce qui s'appelle le CityTrip. Et au-delà de ça, il y a effectivement des représentants de la ville,
Bon, il y a Florian, pour le citer, qui est partenaire, plus quelques autres personnes. Donc, au niveau du contenu, il y a une évolution donc, dans son élaboration. C'est chaque fois testé par étapes. Et donc, c'est ce que j'avais ici sur mon smartphone que j'aurais pu vous montrer. Mais donc, cette démarche-là, elle est en cours, ça s'élabore. Et donc, avec un comité scientifique qui est bien présent ici au niveau de la ville. Bien, je remercie M. Doshi pour sa réponse et je lui demanderai de me montrer, à l'issue de ce conseil, l'application qu'il vient de. Oui. Et donc, oui, je montrer de loin sur son GSM. Comme j'ai dit ici, le processus est en cours d'élaboration. Je peux simplement vous montrer maquette. Une image de celui-ci. Le document final, c'est normalement, je crois, si je me trompe, c'est normalement d'ici un mois et demi qu'il sera opérationnel. Donc, j'ai simplement l'élément qui permet de tester, qui permet d'affiner donc l'outil. Il n'est pas encore opérationnel comme tel, mais donc je l'ai effectivement sur mon smartphone. Et les fameuses tablettes, tant que j'y suis, fournies au guide. Alors, c'est différent des tablettes. Les tablettes sont, comme c'est libellé dans le document, donc mises à disposition des guides officiels de la ville de Tournai pour compléter leur démarche lorsqu'ils procèdent donc à des visites guidées. Ils ont soit la possibilité d'avoir des supports papier, on a des documents, des photos ou autres. Oui, d'accord. Et il y a effectivement un certain nombre de tablettes qui sont actualisées, donc. On a encore une réunion ici ce matin par rapport à ça, où on alimente avec un contenu, essentiellement des photos ou des documents PDF. Donc le tout est mis à disposition des guides qui souhaitent les utiliser. J'en déduis que vous faites partie du comité scientifique. Oui, bon. C'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Ça vous convient ? Il est pas. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Donc, je dirais quand même que j'ai suivi la formation, hein, que le. De guide en son temps. Je ne mets pas en doute vos qualités et vos connaissances, Monsieur Doshi. Merci pour tes précisions, Benoît. Quel est votre vote ? Ouais, maire ? On va voter oui. Hein. Ouais. Benjamin ? Madame ? Abstention ? Ok. Je vous remercie. Alors, travaux de la Maison de la Culture, au point 32, facture de la société Acta Sécurité. Concernant un article, donc effectivement, où là il n'y avait pas de crédit, pas de problème, c'est concernant du gardiennage. Madame Martin. Oui, moi je voudrais bien savoir comment il est possible qu'une entreprise présente maintenant une facture pour 148 rondes sur 5 semaines en 2021 à la Maison de la Culture sans bon de commande et sans prévision budget. Quelle était la nécessité de ces rondes et en quoi consistaient-elles ? Et ont-elles été réalisées sur le chantier proprement dit ? Mais donc effectivement, il a fallu parer au plus pressé parce qu'il y avait énormément de problèmes de squat sur le chantier qui faisaient que les ouvriers qui étaient là n'étaient pas en sécurité. Et donc nous avons pris sur nous effectivement de faire appel à une société de gardiennage pour régler ce problème de squat. Oui, mais je vois quand même que c'est mentionné là-dedans que ça s'est passé sans le moindre bon de commande. Ah bah oui, mais donc, c'est quand même assez surprenant. Dès lors qu'il y a un problème à régler en urgence, nous le faisons et puis nous arrivons ici pour l'expliquer pourquoi nous l'avons fait. Oui, mais ça n'explique pas le pourquoi il n'y a pas eu de bon de commande. Je pensais que la ville ne pouvait pas. Si la société est venue, c'est parce qu'il y a eu un bon de commande. Hein. Enfin, elle est venue pendant. Il n'y a pas eu. Pendant. Bah non, c'est vous qui le mettez dans les textes, qu'il n'y avait pas de bon de commande. Je n'ai pas sucé de mon pouce. Hein. Et donc, moi, je trouve ça inquiétant qu'une entreprise vienne comme ça présenter une facture pour laquelle il n'y a pas de bon de commande, il n'y a pas d'explication. Non, donc quand on agit dans l'urgence, ici, c'est l'urgence, c'est la sécurité du bâtiment des gens qui y travaillent. Donc. On n'a pas de bon de commande, effectivement, puisque c'est l'urgence. Après, ça vient au collège avec la facture. Comme il n'y a pas de crédit de dépense, ça vient au conseil communal. Mais je comprends bien, mais c'est quand même quelque chose qui a lieu en octobre-novembre, si j'ai bien lu. Alors, comment ça se fait que ça atterrit ici ? Quand on parle d'urgence, comment ça se fait que ça atterrit ici seulement maintenant ? La date de la facture. Temps d'arrivée, les factures, etc. Enfin, je ne sais pas si vous. J'avais l'impression que vous débarquez dans l'administration, ouais, parce qu'effectivement. Je ne débarque pas tellement tant que ça.
puisque je me rends compte que c'est quand même pas quelque chose de normal du tout. Bah, ouais, et donc, vous aurez voilà, préféré quoi, vos explications, qu'on laisse le personnel et le personnel qui était là dans, en toute insécurité. Vous peut-être, moi pas. Et effectivement, s'il faut passer par des mesures d'urgence, je le fais. Je ne dis pas qu'il n'y avait peut-être pas une opportunité. Je vous le dis, il y en avait une. Comment c'est possible? C'est ça que je vous demande. Ben, ça me semble clair, on vous a répondu. Il y a un problème d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait en urgence? On réagit. On trouve une solution, et la solution, après, de façon démocratique, on vient au Conseil communal vous l'expliquer. Moi, ça me semble un peu douteux, donc je vais voter contre. OK. Pour les autres, pas de problème. Je vous remercie. Non, mais... Fabrique d'église, 33-35, abstention du PTB, je suppose. Abstention du PTB, Madame Martin. Pour les fabriques d'église. On est où, là ? Fabrique d'église, abstention ? Oui, abstention, comme okay. D'habitude. Hein. Je veille, on ne sait jamais. 36, restauration d'un immeuble classé Tournai, quai des Salines, numéro 12, intervention financière de la ville. Unanimité, je vous remercie. Vérification de l'encaisse communale au 31 décembre 2021. C'est une information au point 37. Au point 38, il s'agit du plan de cohésion sociale et son rapport d'activité financier 2021, approbation. Madame Martin. Oui, on a lu ce rapport d'activité et on déplore qu'il soit aussi succinct au niveau... Pour rappel, il y avait le Covid aussi. Hein. Pardon ? Pour rappel, il y avait le Covid aussi. Hein. Oui, mais ce n'est pas ça. C'est le rapport en lui-même, les explications d'elles-mêmes. Par exemple, concernant les actions portées par les partenaires extérieurs comme Brasero, la distribution de colis alimentaires de la Maison des Familles et Anama, on se contente de nous dire qu'elles ont encore été bien sollicitées, ce qu'on imagine bien volontiers, et on parle d'un sentiment que la population est de plus en plus fragilisée par une situation sanitaire, économique et sociale. Alors, nous... Pour sortir du sentiment et objectiver ce sentiment, on aurait bien aimé avoir un développement chiffré de ces sollicitations et de leur évolution, et ça pour mieux appréhender leur importance et la nécessité d'une éventuelle intervention supplémentaire de la ville, avant qu'on ait à voter, par exemple, pour ces subsides dans un autre conseil communal. Alors, on aurait aimé donc plus de détails chiffrés, mais maintenant, peut-être qu'on peut les avoir ailleurs, hein, auquel cas, ça nous convient aussi. Coralie. Mais simplement, moi je voudrais quand même souligner vraiment le travail formidable qui a été fait par le plan de cohésion sociale dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Comme le bourgmestre l'a dit, c'était le Covid. Et donc toute l'activité sociale a été vraiment perturbée et beaucoup plus difficile à mener. Les besoins sont évidemment beaucoup plus grands aussi, et notamment pendant cette période Covid où l'isolement était très grand et où le plan de cohésion sociale a vraiment assuré ce lien avec la population. Je trouve qu'on peut aussi souligner de la part de l'équipe une grande ouverture au partenariat. Donc il y a plein de projets qui sont réalisés en partenariat et pas tout seul, parce que dans le social, c'est comme dans plein d'autres choses. C'est ensemble qu'on arrive à faire des beaux projets, et vraiment le plan de cohésion sociale travaille vraiment dans ce sens-là. Il y a tout le soutien au comité de quartier et de village aussi, et le budget participatif avec Manon qui fait un travail aussi remarquable, notamment sur une démarche qui est vraiment novatrice et qui n'est pas facile non plus, qui demande énormément de temps. Et donc voilà, moi je voudrais vraiment souligner tout ça. Quand vous dites que dans le rapport d'activité, il n'y a pas, c'est assez succinct sur le soutien aux associations. En fait, moi j'ai juste envie de souligner que, au-delà du travail réalisé par l'équipe de plan de cohésion sociale, il y a en plus du soutien à des associations qui luttent contre la grande précarité, et que le rapport d'activité qu'on soumet aujourd'hui, ce n'est pas le rapport d'activité de ces associations. Ces associations ont leur propre rapport d'activité. Ici, ce qu'on dit, c'est qu'elles ont reçu un soutien et que le travail continue et la demande est loin de diminuer. Enfin, pour terminer, quand on parle de chiffres, alors on peut passer un temps fou hein, à faire des chiffres, à devoir récolter toute une série de données, à devoir...
je suis pas sûre que c'est toujours ça non plus qui fait qu'on avance vraiment sur les projets. Il y a aussi un équilibre à devoir avoir. Déjà, les rapports d'activité et les exigences de la région demandent énormément de travail pour les équipes, parce qu'à chaque fois, on doit faire des plans d'action, on doit justifier les objectifs, les différentes activités, des évaluations, etc. Et donc tout ça, ça demande déjà énormément de temps. Et donc si on passe son temps en plus à devoir faire beaucoup de chiffres, à un moment donné, on n'est plus beaucoup sur le terrain. Et alors, je voudrais dire aussi que par rapport à la crise ukrainienne, ben, le plan de cohésion sociale se mobilise aussi très fort par rapport à ça. Et donc, il y a vraiment un travail de fond et un travail très proche de la population qui est réalisé par l'équipe. Merci Coralie, mais je n'ai pas mis en cause le plan de cohésion sociale. Hein. Je t'ai simplement demandé, et c'était juste ça, si je peux avoir les chiffres ailleurs, oui, pour mieux comprendre effectivement à quel point tout ça est devenu compliqué, c'était de voir un peu quelles étaient les sociétés. On me parle là-dedans des sollicitations, j'aurais bien aimé savoir en quoi elles avaient augmenté pour voir vraiment comment ça se passait. Je n'ai pas dit que je mettais le rapport en cause, je demande un complément d'information et tu me réponds... Ok, donc, et quel sera votre vote? Donc, où est-ce que je peux avoir ces éléments-là? Encore une fois, je pense que vous n'avez peut-être pas bien compris la réponse, mais donc... Ben, non, j'ai compris qu'on ne m'avait pas répondu. Et Coralie, comme d'habitude, explique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais je voudrais savoir où on en est par rapport à cette évolution. Et donc ici, dans le plan de cohésion sociale, vous avez toute une série d'aides qui sont faites par rapport à toute une série d'associations. Ici, c'est simplement le fait que nous avons aidé ces associations, point. Pas plus, ni moins. Où peut-on avoir une idée de l'évolution des gens qui sollicitent ces associations? Ça, c'est une autre question qui n'a rien à voir avec le point. C'est ça que je vous demandais. Hein. C'est une autre question qui n'a rien à voir avec le point aujourd'hui du rapport d'activité du plan de cohésion sociale. Alors, donc ça, c'est une question à laquelle vous ne voulez pas répondre? Pas dans ce point-là. Pardon? Pas dans ce point-là, parce que c'est de toute façon toujours votre habitude à un moment donné. C'est de toute façon, comme vous avez l'habitude de ne pas vouloir répondre quand je vous pose une question, de tourner autour du pot, de répondre pendant deux heures à côté de la plaque. Allez, qu'est-ce que vous faites par rapport à ce point-là? Vous votez pour, contre, abstention? Non, je n'ai pas de problème avec ce rapport. Je vous demande, j'aurais voulu simplement un complément d'information. J'ai bien compris. Et je prends bonne note que, contrairement à ce que la loi vous oblige de faire, vous refusez de me répondre. Et si, je vous ai répondu. La seule chose, c'est que ma réponse ne vous convient pas. Ça, c'est autre chose. Non, votre réponse est toujours... Vous répondez, vous dites un mot ou autre chose, mais vous ne répondez jamais fondamentalement aux questions qu'on vous pose. À mon avis, vous avez un problème de compréhension quand soit Coralie ou moi, on vous répond. Ce n'est pas grave. Donc, unanimité pour ce point-là, je vous remercie. Si vous le permettez, je vais relier les points 39 à 43, étant donné qu'il s'agit de toute une série de demandes de prêts pour nos différents musées. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Merci, unanimité. Au point 44, c'est le prix artistique 2022, où il y a une modification dans le règlement. Je vous en prie, Mme Margam, appuyez. Hop. Désolée, j'ai été attentive et j'aurais voulu poser quelques questions sur le point 41. Est-ce que ça vous pose un problème? Non, non, pas de problème. Donc, il s'agit du point 41, c'est-à-dire la convention pour la mise en dépôt d'œuvres dans les réserves de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Mons. Approbation, je vous en prie. Voilà. Donc, nous soutenons ce dossier, mais là aussi, nous voudrions avoir des explications complémentaires. Donc, on voit que, au départ, première question, je suppose que c'est au départ d'un inventaire qui est réalisé, et j'aimerais bien savoir quand, que l'on catégorise les œuvres présentes dans la collection du Musée des Beaux-Arts de Tournai en trois catégories. Tout d'abord, les œuvres de grand format, qui sont fragiles et qui ne peuvent être exposées à des températures supérieures à 18-20 degrés et supporter une humidité, je suppose que c'est ça, HR, donc de 50%, avec éventuellement un peu moins ou un peu plus, donc 5% de plus ou de moins. Et c'est pareil pour les autres catégories. Donc, j'aimerais savoir combien d'œuvres sont reprises dans la catégorie A. Nous savons que la catégorie B, qui est concernée par le dossier, elle, concerne 1100 peintures et 2500 dessins, et que la catégorie C, qui concerne les œuvres de seconde valeur et moins fragiles, ainsi que des sculptures,
et dont j'aimerais savoir également combien de pièces elle recèle et où, pour la catégorie A et C, on va entreposer ces œuvres. Donc je reviens, ça c'est mes premières questions générales. Maintenant la question plus précise, c'est pour la catégorie B, qui va être déplacée, donc c'est quand même un certain volume, qui va être déplacée à Mons, où nous avons la possibilité d'entreposer toutes ces œuvres dans une salle exclusivement réservée par la direction du patrimoine culturel du service général du patrimoine aux œuvres de la catégorie B du Musée des Beaux-Arts de Tournai, ceci dès 2023, donc en octobre 2023, pour une période maximum de 5 ans, et gratuitement. Et donc ma question concerne plutôt les valeurs d'assurance. On met beaucoup à charge de la ville, évidemment, comme c'est gratuit. La ville doit bien sûr faire en sorte que les œuvres soient dépoussiérées et qu'elles ne comportent pas de micro-organismes qui entraîneraient des désordres aux œuvres elles-mêmes et aux bâtiments éventuellement. Mais s'il y a des désordres dans le bâtiment dont on n'est quand même pas propriétaire et qu'elles causent des dommages à nos œuvres, alors qu'un inventaire préalable aura été établi ainsi qu'un état des lieux de la pièce dans laquelle elles seront entreposées ainsi, nous sommes complètement responsables et nous devons assumer. Ça, je trouve quand même que c'est un peu fort de café. L'exemple que je retiens, c'est malheureusement l'exemple de Namur. Dans une émission patrimoniale qui ne vous a pas plu, il y a eu donc la relation d'un événement d'inondation survenu dans un dépôt d'œuvres, plus exactement un dépôt de matériel archéologique à Namur, où on voit une catastrophe sous nos yeux, qui est loin d'être assainie, puisque ça fait des années que des équipes quasiment de bénévoles travaillent au nettoiement de toutes ces pièces. Donc je voudrais qu'on soit extrêmement prudent avec ce déplacement et qu'il y ait une assurance qui nous couvre en cas de dommage, parce que comme nous avons tout à charge, je trouve que c'est quand même très déséquilibré comme contrat avec la direction générale. Donc, des questions et une interpellation. Je vous rejoins sur toute une série de choses. Par rapport aux chiffres bien précis, très honnêtement, je me tourne à ma gauche et je ne les ai pas, mais donc on va vous les faire parvenir par rapport aux différentes catégories. Et par rapport aux assurances, je pense qu'effectivement, votre question mérite une réflexion et je vais me retourner demain sur mon service assurance pour savoir si ce que vous venez de poser comme éléments sont bien rencontrés. Je vous remercie. Très bien. Moyennant donc ces remarques, on peut approuver l'ensemble des points de 39 à 43. Merci. Au point 44, donc c'était le prix artistique 2022, modification du règlement, approbation, pas de problème. Adhésion au musée Société en Wallonie, approbation au point 45, pas de problème, je vous remercie. Au point 46, c'est l'adhésion à attraction et tourisme, pas de problème, je vous remercie. Et enfin, le point 47, c'est le règlement d'ordre intérieur, amendement lié au règlement général sur la protection des données, au traitement des données à caractère personnel, approbation. Ah non, c'est un point à reporter. Ce point-là est à reporter. Nous en arrivons aux questions, la question d'Armand concernant les travaux du PIC 2019-2021. Merci. Armand. Ah pardon, c'est moi qui dois te donner la parole. Je t'en prie. Merci, Monsieur le Président. Donc, ma question est intitulée « Quid des travaux du PIC 2019-2021 ?» Et je suppose que je ne pense pas avoir entendu, mais c'est Madame Lejeune qui va y répondre. Donc, ce sera Laurence, oui. Oui. Donc, Madame Lejeune, donc, le 28 mai 2019, notre conseil communal validait le PIC 2019-2021 avec différents dossiers de réflexion de voirie sur notre entité. Au point 1 de cette liste se trouvait la réfection de la rue Liberci à Beclay. Notre groupe était très satisfait de cette proposition, compte tenu du fait que le conseil communal du 25 juin 2018 avait déjà décidé de ces travaux et avait prévu une adjudication le 21 septembre 2018. Ces travaux avaient fait l'objet du PIC 2017-2018, que je connaissais quand même assez bien. Malheureusement, pour les habitants de ce quartier de Beclay, en séance du Conseil de février 2019, nous avons dû renoncer à la réalisation de ces travaux, avec comme motivation proposée
par le Collège, je vous cite, « Cette renonciation devra permettre, en outre, une meilleure conjoncture financière avec une remise de prix plus avantageuse. » Je me permets de vous rappeler une maxime qui dit « Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. » Ouf. Et enfin, pour les habitants, le Conseil communal de mars 2021 décidait les modes et conditions du marché de réfection de la Riliberchi à Béclé pour un montant estimé à près de 1,8 million d'euros. Tout cela après que le même conseil de septembre 2019 avait, lui, décidé des travaux moins onéreux, estimés à 1 million d'euros. Heureusement que vous avez décidé d'élargir la zone de travail et de tenir compte donc d'une nouvelle législation relative au dossier Welter. Quelle chance pour d'autres riverains, ils vont enfin avoir une route plus sécurisante. Et oui, j'en viens quand même à ma question. Où en sommes-nous dans le suivi de cette dernière décision? Qu'a donné l'adjudication? Quand verra-t-on enfin le début des travaux décidés une première fois en juin 2018? Je ne connais bien sûr que trop bien le travail administratif pour monter des dossiers, tant pour le PIC que pour le Conseil. Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Merci Armand, merci d'avoir fait référence à un vieux proverbe provincial, « Ne jamais remettre à demain ». Laurence. Monsieur le conseiller, cher Armand, une petite souris t'aurait-elle soufflé une information la veille de ta question ? Car le Collège a pris connaissance du rapport de soumission des offres le 21 avril. Comme tu le rappelles, le Conseil communal de mars 2021 décidait les modes et conditions du marché de réfection de la rue de Liberchi à Béclé pour un montant estimé à près de 1,8 million. Il s'agissait déjà d'un report puisque la rue de Liberchi avait été inscrite au PIC 2017-2018, report qui avait été justifié par un manque de moyens financiers. Visiblement, à l'époque, le budget avait été adapté, à la fois en modifiant le type de travaux, mais en élargissant la zone. Le 30 avril 2021, un nouvel appel d'offres était lancé avec un montant estimé à 2 141 899,65 € TVA-C. Un sacré montant. Or, la meilleure des deux offres qui ont été remises était de l'ordre de 2 243 434,3 €. Le bureau d'études a attendu le décompte des marchés en cours. Force est de constater que les bonnes années que tu as connues sont révolues. Les estimatifs de départ n'ont pas supporté l'arrivée de la pandémie et des innombrables révisions de prix. Pour le PIC 2019-2021, il est apparu que l'enveloppe de subsides restante était de 246 537,86 €. Le calcul est rapide, il nous manque, à 3 000 € près, 2 millions d'euros de subventions pour lancer le marché. En conséquence, le Collège de ce 21 avril a décidé de renoncer au marché et de réinscrire une fois encore la rue de Liberchi au plan d'investissement communal 2022-2024. Je suppose que tu me rétorqueras que c'est une question de choix, mais personnellement, je me fie à l'expertise du responsable du bureau d'études voirie pour prioriser les réfections en fonction de l'état de la voirie et de la sécurisation des riverains. Je suis donc navrée pour les béclésiens, mais j'espère qu'ils comprendront que depuis le Covid, nous ne sommes plus maîtres des prix du marché. Armand. Oui, merci Madame Légevin. Bien sûr, peut comprendre le manque d'enveloppe budgétaire, mais quid des autres dossiers alors? Bon, ce n'est pas une question complémentaire, parce que depuis que nous avons approuvé ce dossier de Béclin, on a aussi décidé pas mal de travaux dans d'autres rues. Est-ce que ces travaux vont aussi subir, comme Béclin, le choix du refus ou de l'arrêt des travaux, ou donc d'office ces dossiers peut-être seront réintroduits dans le prochain PIC, mais faut-il espérer que le PIC suivant nous permettra encore, ou vous permettra encore, de faire de tels travaux. Mais enfin, comme l'a dit, l'avenir nous le dira. C'est un autre proverbe, Monsieur le Président. Tout à fait. Merci. Il y a un autre proverbe qui dit qu'on ne peut pas jamais reposer une question dans sa réplique. Oui, mais ça, je l'attendais. je regardais le directeur général, donc. Madame Marguem, sur les travaux de la rue Saint-Martin, je vous répondrai. Merci, Monsieur le Bourgmestre. Donc, dans une vidéo récente, et vous en faites pas mal, hein, donc... Vous les suivez? Pas toutes. Ah.
très peu, mais je pourrais m'y mettre. N'oubliez pas de mettre jam de temps en temps. Oui. Là, franchement, vous m'en demandez un peu trop, mais ce n'est pas grave. Il est possible qu'une de vos vidéos soit de qualité et que dans ce contexte, je mette que je la like, OK. Mais en tout cas, dans une de vos vidéos, nous apprenons que vous avez signé le permis pour la réfection de la rue Saint-Martin. Mes questions sont simples. Quelle est la configuration physique de la future nouvelle rue Saint-Martin et quel est le timing envisagé pour ces travaux? Alors, je vous préviens déjà tout de suite que ma réplique sera un peu longue. Comme ça, vous êtes à l'aise. Pourquoi ? Vous avez déjà préparé votre réplique alors que je ne vous ai pas encore répondu ? Il y a un élément de la réplique. Non, je ne fais jamais ça. Sinon, et d'ailleurs, vous le savez, puisque vous m'avez reproché la fois passée de commenter mes questions au lieu de les lire. Dites, et si vous faisiez directement votre réplique et qu'à la limite, vous n'écoutez pas ma réponse ? Non, je ne fais pas ça. Je vous laisse répondre en toute liberté, sans vous influencer. Et ensuite, je viendrai avec quelques éléments d'histoire. Magnifique. Je vous remercie pour votre question. Les travaux de la rue Saint-Martin sont attendus avec impatience par beaucoup de Tournaisiens et de non-Tournaisiens. Son état est en effet actuellement dégradé et il faut agir. J'ai déjà eu l'occasion de signaler que je souhaitais que la rue soit refaite durant cette mandature. J'ai également expliqué que je souhaitais que les travaux puissent débuter une fois que la rue Royale soit terminée afin de ne pas bloquer deux rues importantes du centre-ville simultanément et qui servent d'entrée de ville. Actuellement, nous en sommes aux démarches administratives avec la signature de la demande de permis. Elle fait suite, bien sûr, à une phase d'étude technique très importante. Dans le cadre de son réaménagement, plusieurs outils ont été utilisés par les services techniques afin de déterminer quel serait le meilleur revêtement à utiliser au niveau des voies de circulation. Le premier document sur lequel s'est basée l'étude est le plan communal de mobilité qui a été approuvé en 2004 et actualisé en 2015. Les comptages réalisés en 2011 ont mis en évidence que la rue Saint-Martin était un axe de transit pour les véhicules automobiles voulant se rendre au centre-ville. En effet, plus de 10 000 véhicules automobiles ont été comptabilisés par jour dans les deux sens de circulation. Vous entendez bien, 10 000 par jour. Le plan communal de mobilité proposait alors d'affecter la rue Saint-Martin en rue de desserte, l'objectif étant d'éviter au maximum les flux des véhicules automobiles en transit afin de privilégier les mobilités alternatives à la voiture. Le collège communal du 28 novembre 2015 a décidé de maintenir la rue en rue de transit et en double sens. Afin de renforcer l'appel à la modération des vitesses pratiquées en zone 30, des dispositifs de sécurité matérialisés par des rétrécissements à 5 mètres au droit de passage piéton ont été mis en place. Par ailleurs, si l'on s'en réfère à la publication du Centre de recherche routière, revêtement modulaire en pierre naturelle, on peut y lire notamment que les revêtements en pavage ont une durée de vie généralement estimée à 20 ans, contrairement aux revêtements en béton qui ont une durée de vie supérieure à 30. On remarque également dans la publication du CRR que le trafic y est hiérarchisé en 4 catégories. Or, la catégorie 1 définit le trafic des véhicules légers comme étant inférieur à 5 000 et celui des véhicules lourds, plus de 3,5 tonnes, comme étant inférieur à 200. Il est facile de conclure qu'avec 10 000 véhicules par jour, un revêtement en pavé de pierre naturelle n'est pas du tout indiqué. Je ne veux en aucun cas être responsable de grands travaux inutiles ou à peine faits, il faudrait les refaire. Le choix s'est donc naturellement porté sur un béton désactivé pour lequel le choix des pérailles, des pigments et du traitement de surface se montre particulièrement adapté. Ce choix sera opéré en concertation avec les acteurs du patrimoine de manière à dialoguer au mieux avec le passage de Porphyre et le patrimoine bâti. J'ai déjà eu parfois des réunions informelles à ce sujet. À titre informatif, ce matériau a été choisi tout récemment pour aménager les abords du monument historique et emblématique à Tournai, le pont des Trous, de même que pour l'intégration cyclopiétonne à la rue Royale. Le revêtement en béton présente également l'avantage d'être beaucoup plus durable qu'un revêtement modulaire en pierre naturelle et ne nécessitant que très peu d'entretien. De surcroît, la proposition de détourner le trafic des techs dans le quartier de la Justice plutôt que de le maintenir dans la rue Saint-Martin permet de réduire au maximum la largeur de voirie, soit 5,5 m, afin de renforcer la modération des vitesses, mais également limiter l'impact du choix technique imposé par les contraintes au strict minimum. Les cyclistes seront intégrés à la circulation automobile et utiliseront donc un support très adapté à leur pratique. Des pistes en site propre n'étaient pas en effet réalisables,
vu le contexte spatial dans le bas de la rue où le front bâti se resserre. L'ensemble des zones de stationnement seront traitées à l'aide des pavés récupérés sur site, tandis que les trottoirs seront équipés de pavés de porphyre sciés d'épaisseur suffisante pour pouvoir assurer la continuité des cheminements par la création de trottoirs traversants, de manière là également à rencontrer les propositions formulées dans le plan communal de mobilité. De manière à réduire encore une présence trop prégnante du béton désactivé, des zones pavées seront sauvegardées, au droit notamment des passages pour piétons, en adaptant le traitement de surface à l'accessibilité des PMR, ainsi qu'au droit du porche de l'hôtel de ville. Ce traitement particulier fera écho à la préservation du pavage de la cour d'honneur, située quant à elle en site classé. Pour conclure, l'ensemble des impétrants sont consultés dans le cadre de la coordination visée par le décret impétrant du 1er avril 2018. Ceux-ci nous ont d'ores et déjà informé de leur intention de dédoubler les réseaux de part et d'autre du revêtement béton. Seul restera, sous le dit revêtement, le réseau d'égouttage communal qui sera complètement remis à neuf dans le cadre des travaux, en ce compris les recordements particuliers. Des attentes et gains seront par ailleurs prévus pour éviter toute réouverture ultérieure dommageable au projet. À noter enfin que lorsque cela est possible, des parterres végétalisés seront plantés d'arbres de manière à participer à la lutte contre les îlots de chaleur en centre urbain. Concernant le timing, nous en sommes donc au stade de la demande de permis, comme je l'ai indiqué dans mon post sur les réseaux sociaux. Je suis toujours prudent quand il faut aborder les délais, sachant qu'il y a souvent des imprévus et des éléments extérieurs qui ne dépendent pas de nous, qui peuvent perturber le bon déroulement des dossiers des travaux. Mon souhait, et j'ai eu l'occasion de le dire dans mon introduction, est que nous puissions commencer les travaux une fois la rue Royale terminée et que nous fassions le maximum pour respecter le planning intentionnel des travaux. Je vous cède la parole. Je vais commenter votre réponse que vous avez lue au pas de charge, que j'ai écoutée très attentivement. Donc, j'ai d'abord une petite question ou l'autre. Donc, dans ce que j'ai entendu, vous considérez que cette rue est une rue pour la circulation de transit. Donc, ce n'est pas une desserte. La qualification de la rue a changé par une décision du collège intervenue en 2015. Et cette rue, qui était une rue de desserte, est devenue une rue de circulation de transit. C'est bien ce que vous avez dit. Ce que j'ai dit, on est revenu en 2015, je pense, si je vais essayer de retrouver. C'est une décision du collège, nous sommes revenus à ce niveau-là. Vous deviez le savoir. Bon, je retiens ça. De toute façon, on en reparlera. Le béton désactivé ou béton... ou béton lavé, c'est ça. On aime ou on n'aime pas, et il y en a évidemment quelques morceaux dans la rue Royale pour les... Donc le collège communal du 28 du 11 2015 a décidé de maintenir la rue en rue de transit et en double sens. C'est ça. Donc vous considérez que puisqu'elle est une rue de transit, il n'existe pas d'autre itinéraire adéquat pour contourner cette zone. Ça me semble être une rue, en tout cas, très importante de la ville de Tournai. Oui, ça, je ne dis pas le contraire. Oui. Et justement, j'en arrivais à une autre question. La réduction de la largeur de la voirie est-elle liée à une décision de ne prendre en compte qu'un seul sens de circulation? Non, pas du tout. Vous gardez les deux sens de circulation. Oui. Très bien. Alors, donc, l'utilisation du béton désactivé ou béton lavé, qu'on retrouve par morceaux, comme je le disais et comme vous l'avez dit également, dans la rue Royale, dans le projet de la rue Royale pour les pistes cyclables, ainsi qu'autour du pont des Trous, nous n'allons pas recommencer sur ce dossier, alors que vous connaissez évidemment l'intérêt historique de la rue Saint-Martin. Parce que la rue Saint-Martin est une rue, et c'est là que je voulais intervenir quand même pour rappeler certaines choses très importantes dont les oreilles sensibles de M. Dauchy ne manqueront pas, qui feront, j'en suis sûr, vibrer les oreilles sensibles de M. Dauchy, puisque c'est une rue qui a toujours participé très étroitement à l'histoire de la ville. Et c'est la rue par laquelle, finalement, tous les souverains, dont l'histoire a été émaillée à travers l'évolution de notre ville, une rue qui a été empruntée par tous ces souverains. Et je vous passe la liste de tout cela. Je peux vous communiquer cela, c'est très intéressant. Le plus remarquable, c'était quand même Louis XIV, donc, qui est arrivé dans notre ville
le 14 juin 1671 et qui viendra, avec la reine, poser la première pierre d'une nouvelle église abbatiale de Saint-Martin. La truelle d'argent dont il se servit à l'époque existe encore à ce jour. Et cette rue qui a été parcourue et qui aboutit à deux monuments classés au patrimoine mondial, qui fait partie de la zone tampon de ces deux éléments de patrimoine, est une rue à ce point importante à mes yeux qu'il me semble qu'il faut essayer de faire un effort particulier pour en concevoir le revêtement au moyen de pavés. L'utilisation du béton désactivé ou béton délavé, qui est plutôt un béton qu'on utilise, certes solide, je n'en discute pas, plutôt utilisé en front de mer, par exemple sur les digues, est à mon avis tout à fait inadéquat ici pour une rue historique bordée de patrimoine classé, dont notamment le porche qui mène à l'hôtel de ville et qui aboutit à ces deux éléments de patrimoine mondial et qui est une rue, qui est une voie royale qui a été utilisée par main souverain pour accéder à la ville de Tournai, montrer leur puissance, y intervenir et y faire les aménagements qui en donnent aujourd'hui la configuration et aussi se reposer dans l'abbaye Saint-Martin. Et donc, je ne saurais trop insister, monsieur le bourgmestre, vous avez déjà évolué, je crois, hein, par rapport, votre réponse témoigne déjà d'une évolution, puisqu'on sent, je peux me tromper, mais on sent qu'à travers votre réponse, il y a déjà une volonté d'inscrire l'utilisation du pavé le plus possible dans la reconfiguration de la rue, en essayant de marquer les endroits importants, comme l'entrée de l'hôtel de ville, et les endroits qui sont techniquement intéressant, comme le parking, qui n'est pas la même chose que la voie de circulation centrale. Mais je crois vraiment, et comme on l'a fait au Quai du Mont, comme on l'a fait, ou comme on est en train de le refaire à juste titre à la rue du Cygne, je crois vraiment que l'attention que nous devons porter à notre centre-ville est liée à des marqueurs culturels qui se traduisent dans l'aménagement des voiries aussi. Et ces marqueurs culturels sont évidemment l'utilisation du pavé, qui est consubstantielle à la qualité historique moyenâgeuse existante encore aujourd'hui dans notre ville. Et donc, je ne suis pas certaine, mais le dossier doit évoluer, hein, nous ne sommes qu'au début et on en reparlera, je ne suis pas certaine du tout, bien au contraire, que l'utilisation de béton lavé ou de béton désactivé soit conforme ou intéressante quand on veut marquer l'esprit patrimonial de notre ville. Et c'est très important parce qu'en fait, notre ville, vous le savez mieux que personne, a beaucoup de problèmes financiers. Elle n'est pas la seule commune à en avoir. Mais pour une ville qui a un tel patrimoine, il est très difficile, évidemment, vous le savez mieux que personne, d'entretenir ce patrimoine et de mettre en avant tous ces marqueurs culturels qui sont fondamentaux et qui sont essentiels pour le rayonnement de la ville et pour sa reconnaissance à l'extérieur de ses murs. Et donc, créer un environnement à l'occasion de rénovation de sol qui restitue cette qualité culturelle de ville moyenâgeuse en utilisant de préférence le pavé est, à mon sens, quelque chose d'essentiel, d'autant plus que, je le répète, cette rue mène aux deux éléments de patrimoine remarquables que nous avons et qui sont classés patrimoine mondial. Et la rue fait partie elle-même de cette zone tampon exigée par l'UNESCO en la matière. Donc, c'est ma première intervention, mais je reviendrai encore à la charge sur cet aspect précis des choses. Je vous laisse bien évidemment le mot de la fin. La seule chose que je veux ajouter, c'est que moi, quand j'ai rencontré mes propres services techniques de la ville de Tournai, j'ai dit, voilà, cette rue, je vais vous donner deux choses. La rue est excessivement importante pour le patrimoine tournaisien. Je sais que c'est très sensible. D'ailleurs, il y a toute une série d'associations qui m'ont systématiquement signalé que cette rue était sensible. Donc, effectivement, cet élément-là, je l'avais bien perçu. Mais l'autre élément que j'ai également dit, c'est que je ne voulais pas, je l'ai déjà dit un tout petit peu dans ma réplique, mais je ne voulais pas non plus être celui qui allait faire les grands travaux inutiles. Et donc, si à un moment donné, la proposition qui aurait peut-être été unanimement appréciée par tous les défenseurs du patrimoine était une solution qui, dans quelques années, dans 2, 3, 4 ans,
cinq ans, on se rendait compte que, de par le passage, parce que vous me parlez de Louis XIV, et j'ai aucun problème avec Louis XIV, je pense qu'on peut d'ailleurs saluer tout le travail qu'il a fait évidemment, pour notre il ville. Il n'est pas venu avec un 30 tonnes. Mais entre le moment où Louis XIV intervenait ici sur Tournai et aujourd'hui, effectivement, il y a un élément complémentaire. Je vous parle de 10 000 véhicules par jour. C'est énorme. Et donc, le leitmotiv que j'ai donné à l'administration, c'est un patrimoine. Bien évidemment, il faut l'avoir toujours dans le coin de la tête. Mais deux, je veux aussi une solution qui soit durable dans le temps, parce que vous parlez des finances, mais si c'est pour la refaire dans 10 ans, je suis sûr et certain que j'aurai aussi, si nous sommes encore là dans 10 ans tous les deux, les mêmes questions qui seront posées en disant qu'est-ce qui se passe. Et donc, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi dans cette rue Saint-Martin au niveau patrimonial, mais je n'ai pas envie de faire n'importe quoi non plus en termes de durabilité de ces travaux, parce que justement, il y a cet élément-là. Et je pense que quand vous m'avez bien posé la question de savoir si on la laissait dans les deux sens, etc., etc., c'est parce que vous pensez, comme nous, que cette rue est excessivement importante en termes de transit. Donc, nous n'avons pas justement joué dans le transit pour le faire diminuer tel qu'il est. Mais donc, sachant cet élément-là, sachant qu'il y a 10 000 véhicules par jour, la solution qui doit être trouvée, c'est ce que j'ai demandé à mes propres services, c'est une solution durable. Et donc, effectivement, la proposition qui est ici faite est une solution qui me semble, en tout cas, vous savez, soyons bien clairs, hein, moi, je ne suis pas un technicien. Hein, on me dirait le contraire, que je vais encore suivre. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on s'entoure d'avis. Les techniciens me disent qu'effectivement, et il n'y a pas que les techniciens, hein, parce que je pense qu'ils ont déjà eu des contacts beaucoup plus affinés avec d'autres services, me disaient que c'était la meilleure des solutions pour qu'on ne recommence pas dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Dois-je vous parler d'autres épisodes tournaisiens qui ont été parfois la risée et qui continuent à être la risée? Donc, si je peux échapper à ce genre de choses, je préfère. Je comprends très bien l'impératif de durabilité, qui est un impératif que tout économe doit avoir en tête. C'est bien clair. Et donc, il faut quelque chose de résistant. Et c'est lié à la capacité de faire un fond de voirie et une pose de pavé correcte. Alors évidemment, c'est l'éternelle histoire qui devient un peu confortable et qui consiste à dire il n'y a plus de paveurs qui savent poser correctement des pavés, etc. OK. Et donc, une voirie pavée doit être reprise tous les X. C'est d'ailleurs ce qui se passe à la rue du Cygne, puisqu'on enlève les pavés qui sont là et qui sont posés en queue de paon, comme on le dit, pour les reposer parce qu'à certains endroits, il y a eu des décellements de joints de pavage. Donc ça, c'est dû aussi à la fréquentation automobile, qui n'était évidemment pas aussi importante et certainement pas motorisée à l'époque de Louis XIV. Donc tout ça, on comprend. Mais il n'en reste pas moins que la solution, par exemple, du béton imprimé, qui a été utilisée à certains endroits dans la ville, peut faire un compromis intéressant. Est-ce qu'elle a été étudiée ? Est-ce qu'on a fait des comparaisons en termes de solidité ou en termes d'esthétique ou en termes durabilité? Donc tout ça sont des questions qui doivent être posées. Je ne suis pas spécialement pour le béton imprimé. Vous avez parfaitement compris que moi, c'est la matière noble qui m'intéresse et depuis toujours et pour toujours. Mais je peux comprendre, évidemment, qu'on essaie de mitiger le plus possible pour garder quand même une qualité patrimoniale pointue et avancée et visible. Mais bon, il y a d'autres solutions. Il y a des solutions avec du béton imprimé. Il y a peut-être d'autres solutions. Il faut creuser et il faut continuer à évoluer. Donc, je sens que vous êtes sensible à essayer d'aller dans ce sens-là, mais je ne puis que vous inviter à aller très fort dans ce sens-là. Et je suivrai ce dossier avec une grande vigilance. OK, je vous remercie. Et peut-être j'aurai un j'aime complémentaire sur mes postes. On verra. Je suis difficile. OK, Léa, concernant la surchauffe du club de ping-pong. Ouais. C'est bon. OK. Juste une petite précision, mais je ne sors pas du truc. C'est juste pour préciser que le club de ping-pong, il joue à l'école communale de Vaud. Hein. Comme ça, je resitue. Pour que tout le monde comprenne. Alors, monsieur le bourgmestre, cher membre du collège, cher membre du conseil, j'ai reçu de nombreuses remarques de joueurs du club de ping-pong de Vaud concernant la surchauffe des locaux qu'ils occupent. C'est un problème que j'ai d'ailleurs pu constater moi-même à plusieurs reprises, et notamment pendant les vacances de Pâques.
Comme vous le savez, il s'entraîne dans la salle de gym le jeudi soir et héberge les matchs régionaux tous les samedis. Le fait est que la salle de gym est chauffée 7 jours sur 7, printemps comme hiver. Les joueurs ont d'ailleurs tellement chaud qu'ils jouent fenêtres et portes ouvertes en novembre ou en avril. S'il est clair qu'il faut veiller à ce que les enfants évoluent dans des conditions optimales, chauffer les locaux à une vingtaine de degrés le week-end et pendant les vacances semble exagéré et engendre un énorme gaspillage d'argent et d'énergie. Maintenir l'école à une température minimale, ok. Chauffer des locaux inoccupés pendant 2 jours ou 2 semaines comme s'ils l'étaient, non. On ne le ferait pas dans notre propre domicile, alors pourquoi le faire ici? Ensemble, attend donc de votre réponse de connaître les raisons d'un tel gaspillage. Merci d'avance. Madame la conseillère, chère Léa, je suis un peu surprise de cette question qui est, reconnaissons-le, très pratico-pratique et dont tu aurais pu rapidement avoir la réponse en m'interpellant directement par question écrite. Mais comme tu la poses en question orale ce jour, je vais peut-être t'inviter à reprendre le point 27 de l'ordre du jour de ce conseil communal intitulé « Rénovation des chaufferies des écoles communales, lot 1, école des Apicoliers 1, lot 2, école de Vaux, lot 3, école de Blandin, mode et conditions de passation de marché, approbation. » Il s'agit bien d'un marché de remplacement de 3 chaudières vétustes par des chaudières à condensation avec régulation à distance. Et c'est justement pour faire des économies que nous avons sollicité le SPV pour pouvoir démarrer les travaux avant même la réception d'un accord écrit des subsides UREBA, accord qui met actuellement entre 1 et 2 ans avant de nous parvenir. Évidemment, nous te rejoignons dans le constat qu'il est primordial de faire des économies d'énergie, mais bien au-delà de cela, nous nous sommes engagés à réduire nos émissions de CO2. La ville de Tournai doit montrer l'exemple. C'est pourquoi un conseiller énergie, digne de ce nom, nous a rejoints en 2020. Il a déjà fait un immense travail, non seulement en termes de cadastre, de lancement de marché, mais aussi de sensibilisation à la gestion de l'énergie dans tous les locaux communaux. Bien évidemment, quand les bâtiments ne sont pas occupés, le chauffage est coupé par la maintenance. Mais s'il y a occupation, dans certains bâtiments, il est parfois techniquement difficile de réguler la température à 16 ou 17 degrés, notamment pour une pratique sportive. Et c'est ce qu'on constate à Vaux. Or, à la veille des congés de Pâques, le temps était beaucoup moins doux qu'aujourd'hui, enfin jusqu'à hier, dirons-nous. RTL annonçait pour le premier jour des vacances de Pâques, en cours d'après-midi, le temps deviendra sec avec une possible averse hivernale sur l'ensemble des régions. Les maxima oscilleront entre moins 2 degrés sur les sommets de l'Ardenne à 6 ou 7 degrés à la côte. Dimanche, après une nuit froide avec des gelées généralisées, le temps sera généralement sec avec des éclaircies, maxima oscillant entre 0 degrés en Haute-Ardenne et 7 degrés à la côte. Je suppose que si durant les vacances, la température était restée aussi frisquette que le 2 avril, les joueurs auraient apprécié de ne pas devoir jouer avec des moufles. Mais quoi qu'il en soit, je te rejoins sur le fait qu'il faille une meilleure gestion de l'énergie et c'est pourquoi la majorité en a fait un axe prioritaire au niveau du plan stratégique. C'est ce qu'elle s'attelle à faire, dans tous les bâtiments communaux. Un nombre important de bâtiments sont actuellement rénovés pour éviter les déperditions via le remplacement notamment de châssis ou l'isolation des greniers. Nous venons d'ailleurs de finir les isolations de l'école du Nord et de Blandin. En ce qui concerne les chaufferies, rien que pour l'hiver 2021-2022, nous avons remplacé celles des Chatons, d'Arturolo, de Paris, de l'atelier de Gorin, du bâtiment administratif du musée d'histoire naturelle et du pont de mer. Le chauffage de 12 bâtiments est maintenant régulé à distance. Nous avançons donc à grands pas, et en ce qui concerne Vaux, tu peux rassurer les membres du club de ping-pong, puisque nous devrions donner ordre de commencer cet été, pour autant bien entendu que l'entreprise désignée ne soit pas confrontée à une pénurie de matériaux. Bon, point par point. C'est vrai que j'aurais pu en profiter pendant le point 27, j'avais bien lu l'ordre du jour, mais par correction, j'ai eu peur de leur sujet et je me suis dit j'ai posé une question dans les règles de l'art pour pas avoir peur qu'on me dévie et que je n'ai pas le droit à la parole.
Ensuite, oui, c'est une remarque qu'on m'a déjà faite à nombreuses reprises et que j'ai déjà constatée depuis plusieurs années. Et apparemment, les membres du club ont déjà fait plusieurs remarques à ce sujet, qui n'ont pas été écoutées. C'est pour ça que je joue leur relais, parce que c'est un petit peu mon rôle au sein de ce conseil. C'est vrai que je n'avais pas vu les prévisions de Catherine Laborde en début de vacances de Pâques. Prochaine fois, je prendrai mes bottes en caoutchouc et mes lunettes de soleil et ma jaquette, comme ça j'aurai le tout. Mais là, en l'occurrence, le tournoi, c'était en plein milieu des vacances de Pâques. Et là, il faisait bon, en l'occurrence. Quoi qu'il en soit, trêve de débat inutile, je trouve ça quand même dommage d'attendre de refaire tout le système de chauffage en plusieurs écoles pour faire attention à l'impact écologique de la surchauffe des écoles. Je pense que de la part d'une majorité à moitié écolo, ça aurait pu être réfléchi avant, parce que comme vous le dites, c'est quelque chose qui est réglé par la maintenance, donc ne me dites pas que le week-end, il faut absolument chauffer à 20 degrés dans la salle de gym. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Ok, t'as cassé l'ambiance, Léa. Pour une fois, non, je la mets pas. Hein. Je peux finir avec une blague, hein, si vous voulez. Voilà, je vais demander au public de nous laisser entre nous. Prochain conseil le 30 mai.